Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le média du rugby tarné. Et bienvenue donc pour ce choc, c'est barrage, ou pour certains puristes on dira des huitièmes de finale, mais bon ça c'est une autre histoire, on n'en reviendra pas là-dessus. Entre Saragoutte et Julien 15, tombeur de canton d'Alban le week-end dernier. Alors, pour ce genre de match, il nous fallait la crème de la crème. Au commentaire, Julien Escanque est déjà mort de rire. Salut Julien. Salut à tous. Salut. Et Alexandre Calamotte, que tout le monde connaît évidemment. Salut Alexandre. Salut à tout le monde. Alors messieurs, parlons peu, parlons bien. Saragoutte a l'avantage de jouer à domicile. Mais attention à Julien 15. Julien 15 qui se déplace très bien. Ils sont allés se qualifier la semaine dernière au canton d'Allemagne. Pas facile. Donc une équipe qui doit se déplacer très très bien. Alors Saragoutte, là je pense qu'ils ont à faire un gros morceau aujourd'hui. Ouais. Bon après ils reçoivent, hein. Ils vont avoir peut-être l'appui du public tout autour du stade. Mais Julien s'est bien déplacé aussi, hein. Ouais, ils se sont déplacés à 21 comme on a pu voir. Le public. Et puis le public également. Ça commence à chauffer. Beaucoup d'ambiance. Et on sent les phases finales. Là, c'est les phases finales. Les trompettes. Le soleil, les pâquerettes. Là je pense qu'on va se régaler. C'est ça. On passe aux compositions d'équipe avant que ça y ait trop de bruit dans les tribunes, comme on va dire. Effectivement, ouais. Allez, on y va. Honneur à ceux qui se déplacent. Ouais, vas-y, je te laisse l'initiative. Allez, on y va pour Julien 15. Numéro 1, Schlick. Numéro 2, Romain Tillac. Numéro 3, Perrier. Numéro 4, Chrétien. Numéro 5, Caron. Numéro 6, Adrien Alves. Numéro 7, Père. Numéro 8, Jean-Baptiste Hérault. Numéro 9, Amelin Quentin. Numéro 10, Hérault Jean-Marie. Numéro 11, Fourcade. Numéro 12, Tillac, Damien et Capitaine. Numéro 13, La Crampe. Numéro 14, Alves Théo. Numéro 15, Dubarry. Pour les remplaçants, numéro 16, Baldès. Numéro 17, Amelin Rémy. Numéro 18, Leguerne. Numéro 19, Hernandez. Numéro 20, Bourdelex. Numéro 21, Bégari. Ils sont que 21, Julien 15, sur la feuille cet après-midi. Ouais, et pour les entraîneurs, Mathieu Sébastien et Patrice Bidot. Allez, Alex Bidot. Ouais. Et donc pour Soal, l'équipe qui va recevoir aujourd'hui et qui va avoir à cœur de faire un gros match devant son public. Pour le numéro 1, Asseline. Numéro 2, Rascol. Numéro 3, Willig. Numéro 4, Jousserand. Numéro 5, Antoine Dominique. Numéro 6, Le Brasseur. Numéro 7, Burdalski et capitaine. Numéro 8, Delpi. Et Delpi qui est également entraîneur, donc entraîneur-joueur aujourd'hui. Numéro 9, Fabiani. Numéro 10, Escolano. Numéro 11, Paul. Numéro 12, Combe. Numéro 13, Barthélémy. Numéro 14, Santana. Numéro 15, Graton. Et pour les remplaçants, numéro 16, Christol. Numéro 17, Babin. Numéro 18, Gendroz. Numéro 19, Ségur. Numéro 20, Albert. Numéro 21, Bartas. Numéro 22, Pelazo. Et les entraîneurs, donc, je le disais tout à l'heure, Damien Delpi et Patrick Dedieu. Jean-Marie Ferrand également. Allez, les joueurs rentrent au vestiaire, ça chauffait. Et donc du coup, on va pouvoir énumérer également les arbitres qui sont au nombre de 3 aujourd'hui, puisqu'on est dans sur la touche, des matchs, phase finale. Des matchs de phase finale. Donc 3 arbitres aujourd'hui. Alors l'arbitre de champ, ce sera monsieur Mathieu Flores, ou Flore, attention, je ne veux pas écharper les noms. Arbitre de touche, Arnaud Blondel. Et Charles Bonfanti. Et un représentant fédéral, monsieur Henri Palanque, qui a eu la gentillesse de me faire parvenir la feuille de match de façon à pouvoir avoir les compositions d'équipe. Nous sommes au stade de la Palonnier à Soal pour un match choc aujourd'hui, mon cher Julien. Un choc, un match d'honneur, phase finale avec deux belles équipes. Ça se déplace. Julien qui se déplace bien, comme on l'a dit, ils sont déjà imposés la semaine dernière au canton d'Alban. Donc en tout cas déjà bonjour à tous ceux qui nous suivent, vous êtes déjà nombreux à nous suivre. Ouais, effectivement. Pas mal du côté de Julien, hein. C'est bien, bonjour ouais, à eux. C'est bien, bonjour à eux. On est content que vous puissiez le voir en direct de chez vous. On a eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec les supporters de Julien, qui nous a fait l'amitié de faire en sorte de ne pas écharper les noms pendant la composition. C'est ça. Et en tout cas ça fait plaisir parce qu'au moins Julien peut le voir aussi de chez eux. Oui, effectivement, ouais. N'hésitez pas. Interagir avec nous, on répondra les conditions climatiques optimales aujourd'hui. Hein
Et un terrain magnifique. Ouais, comment... un terrain magnifique, mais un peu ondulé quand même. Hein. On va pas se cacher. Hein, il est un peu. Ondulé, effectivement. Que, si on c'est se rapproche du bord de la pelouse, un petit peu vallonné dans le sens latéral. Bon, j'en profite pour saluer évidemment les abonnés de Série Rugby qui peuvent voir sur la page Facebook de Série Rugby notre rencontre en direct du côté du Languedoc-Roussillon. J'en profite pour saluer leur boss, hashtag Bubu. C'est comme ça qu'il est surnommé. Bubu. Ah, Bubu, alors. Voilà, Bubu. Et je voulais dire autre chose, mais c'est plus, je sais plus. La mi-temps reviendra sur les résultats des réserves. Et autant vous dire que, déjà, on va dire que 70% des équipes tarnaises sont représentées en quart de finale. Ah, c'est bien ça. Mais on vous en dira plus à la mi-temps. C'est bien, c'est bien. Après, on va essayer de ne pas être trop chauvin, hein, mon cher Juju. Ah non, non, après, c'est un match, on essaiera de pas être chauvin. Après, nous, on est quand même média du Tarn. Tout à fait. Mais bon, là, c'est un match de phase finale, on va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux, on va essayer d'être le plus objectif possible de façon à... En tout cas, ça sent bon les matchs. À vous mettre dans de bonnes conditions pour suivre cette rencontre et du coup prendre énormément de plaisir. Alors, nous indique en direct que Julien va fêter ses 100 ans cette année. Ah, c'est super, ah. C'est super d'avoir des infos comme ça. Des infos comme ça, merci. Merci Jocelyne. Allez, ça rentre sur le terrain. Ah, mais les petits de l'école de rugby de soir, là. Une très très belle image. Hein. Ah, les petits qui font l'aide d'honneur et ils sont en main des grands. Les petits de l'école de rugby. Ils sont tout contents, les petits, là. Ouais. Alors, bien, hein. Ils sont à fond. Et l'entraîneur n'aura pas les mains restées sur le terrain. Ouais, non, mais... C'est pas grave. Ils veulent rester sur le terrain. Bah, le représentant fédéral aurait pu laisser les petits quand même. Hein. Ça aurait fait un peu plus de joueurs. Ah là ça sent, là ça crie dans les tribunes, ça sent le match, ça sent le joli match. Alex. On va se passionner pour cette rencontre. Ah, deux jolis bébés du côté de Julien, deux jolis bébés. C'est vrai. Ah, du côté de Swan aussi. Hein. Ouais, un petit peu de tout, différents profils. Différents profils. Mais bon, hein. En tout cas, tant... Impeccable, terrain impeccable. Les paquerettes. Peut-être le toss a été gagné par Julien puisque. Ou par Swal qui a choisi le terrain. Ouais, je peut-être par Swal qui a choisi le terrain. Enfin, mais pas, aujourd'hui, pas beaucoup de vent. Ouais, je pense que Julien a gagné. Là, un petit peu de soleil, bon, en espérant que ça ne pose pas de problème pour les ballons hauts. Et malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas trop lever la caméra parce que la tribune est relativement basse. Allez, dans le coup d'envoi, il est préparé. Il va être tapé par le numéro 15 de Dubarry. Hein. Allez, casque. Monsieur Flores qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Allez, belle prise de capté. À l'entrée des 22 mètres. Par sort. Burdalski, je crois. Hein. Allez, Graton. Ah oui, une belle ogive. Plein d'action sur le 15. Et Dubarry qui est bien placé. Allez, hop. Oh. Allez, lui aussi. C'est contré, ça joue. C'est contré. Attention, on est remis en jeu. Au sol par Julien. Allez, ballon est récupéré du côté de Julien. Ça éjecte sous sa ligne de trois quarts. Ah, belle diagonale. On tente d'occuper le terrain là. Hein. Mais le numéro 15, Graton, est bien placé. Ah, il se dégage. Il était dans ses 22 mètres. Il en avait totalement le droit. Il se dégage pour occasionner la première touche. Et je dis bien la première touche, mon cher Juju, parce que des fois je me fais changer. En tout cas, on voit que Julien, au début, les consignes, je pense, c'est d'occuper quand même. Il y a un petit peu de vent, ils génèrent qu'ils ont un peu le vent dans la. Ouais, effectivement, quand on voit un petit peu le vent. Je pense que ça a gagné le toast. Ouais. Il joue contre le vent. Léger les vents à l'avantage de Julien pour cette première mi-temps. Allez, première touche par sûrement monsieur Tiak Romain, le numéro 2 de cette équipe de Julien. Allez. Oh, elle est droite. Fond d'alignement. Ah, c'est lobé, attention, récupéré par le demi-ouverture. Belle défense, c'est numéro 22. Le numéro 22 sur le terrain du coup. Ouais, numéro 22. Ah, mais pourtant, il n'y est pas. On l'avait pas. Peut-être qu'un problème avec le numéro, je crois. Ouais, un problème de numéro, maillot, je te l'avais dit tout à l'heure quand on a écrit, là, quand j'ai regardé la feuille de match. Allez, Swal qui relève, aura pick and go, l'arbitre a levé le bras, il y a un avantage pour l'équipe de Swal. Numéro 22 qui est apparemment... Escolano qui tente par-dessus. Ah, c'est bien joué, il récupère pas. L'arbitre va revenir à la pénalité. Ouais. Hein. Alors, numéro 22, on disait c'est Chrétien. Hein. C'est le numéro 4 en fait, mais c'est le numéro 22. Ah, d'accord, ouais, c'est ça. Voilà, parce que j'ai regardé sur la feuille de match. L'arbitre revient à une position d'enjeu du côté de lui. Ouais, qui occasionne la. J'ai une question, pourquoi l'arbitre est en bleu alors que les joueurs sans ragoût sont aussi en bleu là. C'est pas terrible cette histoire. Un problème de tenue. Ouais,
à mon avis là. Cyril Ricardo, il a marché à prendre là, je pense. Les arbitres. Non ah, on rappelle Cyril qui joue cet après-midi un gros match. Hein. Cyril, allez, Mathieu Graton. Oh, une belle touche là. Très très, très très belle touche. Ah, là, Mathieu Graton, un ces joueurs de, qui a joué au niveau à Grouillen Fédéral, Blagnac. Et là, il vient finir. Ces dernières saisons à Soal, parce qu'il y a son demi-frère, je crois, qui joue à Soal. Soal ou plutôt. Christol, c'est son demi-frère, c'est pour la famille. Ou on va dire quand même Soragout, parce que parce l'équipe, l'équipe s'appelle Soragout. Pourquoi Soragout ? C'est l'entente Soal. Voilà, c'est ça. On explique pour ceux qui nous suivent. Allez, Raskol, au lancer. À l'entrée des 22 mètres. Oh, belle prise en fond. Ah non, il est lobé, le sauteur est lobé. Récupéré par Tiak, ou un petit cul au numéro 10. Ouais. Et ça joue, allez, aura. Allez, ballon. On vient sur le rock, on vient, on conteste. Ah, c'est bon, le ballon. Non, monsieur l'arbitre ne dit rien. Allez, numéro 15, Dubarry dans l'axe. Boum, au pied. Un joli coup de pied. Ça va rester dans l'air de jeu. Le numéro 9 qui s'était replié. Fabien, et qui va commettre en avant. Deuxième en avant. Eh ouais. En avant, numéro 9, Fabiani sur cette prise, il s'est pas tourné. Hein. On l'appelle avec de Ruby. Il a essayé de se tourner, malheureusement, mais le ballon. A choqué sa main et du coup est tombé à l'aplomb avant. À l'aplomb avant et du coup ben, en avant forcément. Ce qui a laissé une mêlée à l'équipe de Julien. À l'entrée presque des 22 mètres, une belle munition pour Julien. Ouais, légèrement, enfin légèrement, c'est pas légèrement, ouais. C'est sur le côté. Qui va sûrement ouvrir puisque. Une 3 quarts est en position. Ouais, peut-être une 89 ou peut-être un départ au ras du numéro 8 pour essayer de venir percuter cette ligne défensive de Soragout. Pour commencer à mettre un petit peu d'impact à l'entrée. Allez, des 22 mètres. Il a ce centre de 3 quarts. Allez, 89. Allez, numéro 12 aussi. Oh, bien joué. Allez, redoublé. Le 9 qui envoie son centre qui commet un en avant. Ah, la barre repris devant. Et donc une pénalité. Ah, légère en avant repris devant, donc il fait pénalité pour Soragout, qui va leur permettre de se dégager. Et l'avantage d'avoir des arbitres de touche aujourd'hui, nous avons les alignements qui vont être parfaits. Allez, et la touche qui est trouvée par Mathieu Graton. Et des touches qui ne seront pas rognées par les joueurs des fois, parce que c'est vrai des fois, ça, on ça le dit souvent, mais dans les séries, souvent c'est des joueurs qui font la touche, et des fois ben, ça vient gratter, ça vient... En tout cas, on est content pour vos commentaires, je suis couché, j'ai des frissons. Allez, super, le direct. C'est sympa, ça fait c'est plaisir. Sympa. Ah, salut, arrêtez de dire Julien bande de blaireaux. Excusez-nous, on ne sait pas trop comment on le dit en fait. Mais bon. Oh, il y a belle percée du numéro 9 qui tape pas dessus. Il va pas le jouer. Quel essai de l'homme. Ah, une touche. Donc, une touche qui a été. Il a été tapé en touche. En tout cas, une belle action de. Une belle action de une belle action de Soragout avec une prise à milieu et avec le numéro 9 qui est venu même un coup d'épée par-dessus. Mais bon, le ballon est sorti à touche. Touche pour Soal à 10 mètres de la ligne d'un but de Julien, on sait pas trop. Excusez-nous Stéphane, si on le dit pas très bien. En tout cas, belle prise de Soragout. Et comment, on le dit, alors comment on le dit? On va demander au public à côté pour nous le dire. On va le demander, Stéphane, on va le demander au public de Julien à côté de nous pour savoir comment on le dit. On va essayer de bien le bande dire. Bande de blaireaux. Oh là là. Allez, en tout cas, Soal qui relève. Aura du regroupement. Ça fait des pink and go, Ça là, allez, ça écarte. Demi d'ouverture. Ah, belle défense de Julien. Ça monte vite, Ça monte vite. C'est bien pris, Le côté des rouges. Ah, l'arbitre tend le bras. Il y a une pénalité pour Soal, un avantage. Ouais. Capitaine Burdes qui dans le sens, qui prend le ballon. Peut-être un joueur qui s'est pas sorti la zone de plaqueur plaqué peut-être. L'arbitre revient. On va voir la gestuelle de monsieur l'arbitre pour savoir exactement ce qu'il a sifflé sur cette phase de jeu. En tout cas, et pendant cet arrêt de jeu, on va demander à la gentille supportrice de Julien à côté pour voir qu'elle nous le dise. Ah ça y est, Stéphane, je crois qu'on sait maintenant, c'est voilà, Julien. Stéphane, c'est Julien. Alors on dira Julien. Julien, Stéphane, voilà. C'est promis, c'est pour toi. Excuse-nous. Faudrait pas se faire chambrer tout le match quand même. Bon, merci Stéphane de le faire en début de match et en début de rencontre pour qu'on puisse... En tout cas, c'est là une opportunité à Mathieu Graton, l'arrière de Soragout, de tenter une pénalité.
Sur la ligne des 22 mètres 22 mètres, donc sur la ligne des 22 mètres, on va dire peut-être, vu qu'on est un petit peu sur le côté, on va dire 25-27 mètres peut-être. Ce monsieur qui est droitier aujourd'hui et qui va tenter cette pénalité. Ah, il va pas de bruit dans le sol. Très fair play. Allez, plaisir Stéphane. Ah, et c'est là ça. Ça passe à côté. Et le public de Juillan qui... Très fair play. Juillan. Et alors, la surpontrice qui va me faire dire Juillan de... Ah non, le 9, Frédéric, le 9 de Soragout, c'est quoi? Escolano, c'est le 10. Le 9 de Soragout, c'est Fabiani. Et le 10, c'est Escolano. Voilà qui est bien prononcé. Merci Sandrine. Le score toujours 0-0 pour Antonin Delpas. Allez. Ah, il a glissé, mais le ballon va rester dans l'air de jeu. Allez, belle prise du numéro 11, Paul. Qui l'a installé sur le carte. Fabiani. Un petit bas. Oh, il est pris à retardement, mais l'arbitre ne dit rien. Ça joue, ça relance. Dubarry. Voilà, on cherche clairement à essayer de copier. Voilà. Graton bien placé, qui relance le ballon pour Swan. Il tente, il a écarté ce ballon. Son capitaine. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter. Voilà, c'est bien. Il attend le soutien. Numéro 3 qui essaye de venir gratter ce ballon. L'arbitre qui dit rien. Il était sur ses appuis, mais le soutien est arrivé côté Soragout. Allez, ça défend. Numéro 5, Anton Dominique. Ah, ça vient essayer de gratter côté Rouge. Allez, ça lance la ligne de 3 quarts. Ah, belle montée du numéro 2. Ah oui, la ligne défensive qui met. En avant du numéro 1. Asseline qui a voulu voler le ballon. Et cette ligne défensive rouge là qui monte très très vite et qui met sous pression les porteurs du ballon. Et du coup qui occasionne des passes rapides et des fois un peu hasardeuses. Ça défend très bien du côté de Juillan. Ah ouais, Juillan très rapidement sur le porteur du ballon. Utezako Juillan. Alors Juillan, je me suis renseigné, c'est du côté de la région Tarbèze, aux alentours de Tarbes, dans ces eaux là. Voilà. Voilà Xavier. Sinon on regarde sur Google Maps. Hein. Ouais, Google Maps. C'est mais fais pas de placement de produits, hein. Plants pour Apple. Ouais, voilà. Tout le monde. Allez. Ah, on a même blessé le numéro 9. Ah, mince. Amelin Quentin qui sort une petite cheville, une légère entorse de la cheville. Numéro 9 là, qui va devoir céder sa place. Allez, boîte bas. Il est applaudi par tout le stade. Moi je fais de même. Parce que. Faut rester fair play. Et du coup le numéro 21, Begana. Qui va faire son entrée. Begari, je crois. Begari, effectivement. Ah, elle est blessée. Qui a enlevé son chasuble. Ah, mais l'arbitre n'a pas vu que le joueur était blessé. Ouais. Attention, hein, le représentant fédéral qui a appelé l'arbitre. Et monsieur Henri Palanque qui tient sa feuille. Sa feuille de match et sa feuille de mouvement. On rappelle qu'en plus, le Juillan est venu à 21 déjà blessé. Ouais, ça... ouais, attention. J'espère pour eux que ça ne sera pas trop préjudiciable. Allez, en tout cas, mêlée d'introduction, Begari, sur la ligne des 45 mètres. Qui donne la possession à Juillan. Allez, et c'est un côté fermé, 8-9-15. Ah non, 8-9 pieds. C'est bien recouvert par l'ailier. Qui relance? Il décale à son mouvoir. Est-ce que là non? Mais toujours une grosse défense de Juillan. Ouais, c'est vrai. Et qui fait même perdre du terrain à Soragout, hein. Allez, numéro 8, Delpi, bien pris, ça avance pas trop. Ah, tes yeux, il va pas pouvoir se tourner, si c'est bon. Allez par-dessus. Ah, ça va être direct, il était au-delà de la ligne des 22 mètres. Et du coup, va occasionner, mettre un peu sous pression son équipe. Et on le rappelle, ils sont contre le vent, on l'a vu, là, le ballon a été freiné quand même. Et malheureusement, je n'ai pas pu mettre mon chrono, donc on va faire par rapport au à côté de Tarbes. Merci Sandrine. Merci. Oui, on essaie d'être fair play. Allez, en tout cas, ça donne... Le plus objectif possible dans les commentaires, on essaie toujours. Un lancé pour Tiak. Romain, pas le 12. Allez, ne pas se faire lober comme la première. Ah, c'est contré. C'est contré, un premier saut par soi. Occasionné. Aïe. On s'excite pas. Messieurs, on s'excite pas. C'est un match de phase finale. Attention, il faut penser quand même. Il
faut penser qu'il est toujours possible de jouer un match supplémentaire. Donc ça serait couillon de prendre un carton aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr. T'es pour pourrais, justement, Olivier Guy, tu joues pas le match avec la Bruyère parce qu'il a pris un petit carton de ma journée. Et la réunion, Jean-Marie qui nous suit. Ah, Jean-Marie, toujours fidèle, lui. Toujours fidèle, Jean-Marie. Toujours fidèle, ça fait plaisir. Allez, un petit coucou à lui. Introduction. Magali, donc, Zegari sur la ligne des 22 mètres qui donne un joli lancement pour Juillet. Allez, le numéro 12, Tiak, à hauteur et redoue son 10. Qui a belle passe sur son ailier numéro 14 qui rentre dans les 22 mètres. Allez, qui a lâché, qui a expulsé ce ballon. Mais Sorago qui a récupéré ce ballon et qui va contre-attaquer. Belle défense. Qui n'est pas encore. Ah là là, l'arbitre élève le bras, il y a un avantage pour soi. Peut-être un en avant qui n'a peut-être pas été vu, ou peut-être l'arbitre touche à mis son drapeau en face. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. L'arbitre arrête le jeu. Il s'est passé quelque chose. L'arbitre de touche a levé le drapeau. L'arbitre de centrale a arrêté le jeu. Il y a eu un mauvais geste, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on va voir. En plus, étant donné qu'on a des arbitres de touche, Pris de suite. C'est l'avantage. Pris par la patrouille de suite. Pas de mauvais geste. Phase finale. Merci David, c'est avec grand plaisir. Allez, Paul le poulpe, super. Ah, c'est pour Paul Fabiani, je crois que c'est le surnom de Paul Fabiani. Allez, numéro 9. Ça y est. Allez. J'espère qu'on est d'accord avec toi Sandrine, j'espère que ça n'a pas commencé, pas de bagarre, ça serait dommage, une belle après-midi de rugby, du soleil. C'est vrai. Une belle ambiance de l'autre côté. Ah, l'arbitre appelé les capitaines. Ah, ils sont le carton. Ouais, un carton. Le carton. Quelle couleur. Que s'est-il passé. Carton jaune carton pour jaune. Le numéro 10. Héros Jean-Marie qui prend un carton jaune. Peut-être un plaquage haut, peut-être. Ou dans le ruck, qui s'est mis à la faute de ne pouvant pas expulser le ballon. Mais bon, étant donné que c'est un carton jaune, donc ça doit être quand même une faute. D'anti-jeu. Une faute d'anti-jeu, ça aurait peut-être été un carton blanc, peut-être, non ouais. Cher Jésus, non. Après, je sais un pas. Un mauvais geste, peut-être. On l'a pas vu, on peut pas vous dire. En tout cas, c'est carton jaune pour. Effectivement, carton jaune. Carton jaune à la 16e minute de jeu. Merci Thomas à la régie. Ah, c'est vrai qu'on est pour les interactions. Vous voyez de plus en plus toujours plus belle, toujours plus. Puis en plus il a investi en plus ces derniers temps. Hein, on a changé la caméra ces derniers temps. Belle prise de soi là, un milieu d'alignement, mais belle défense toujours de Juillet hein, qui est vraiment dans ce domaine très très prégnant. Ils sont très 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 rapides sur les racks. Allez, Soal qui lève par le numéro 8 Delpi. Aura, il a avancé. Et on attention de ne pas se mettre. Libération, là. Allez, ça continue par le numéro 5. Grosse percussion. Antoine Dominique qui avance, qui rentre dans les 22 mètres. Allez, est éjecté. Demi-ouverture. Belle défense. Il rentre dans les 22 mètres quand même. Il avance. Le numéro 12, et attention, il va pas falloir se mettre à la faute. Restez. En avant. Ah, mais l'arbitre a levé la main. Il y a une pénalité. Voilà, l'arbitre qui revient. Position d'hors-jeu. Arrêtez-vous, monsieur. Et ça devient. Ça se frustre, hein. Ça se frustre parce qu'on est toujours sur un score de parité nul et vierge. Et donc, forcément, ça se frustre un petit peu. Allez, donc, ce qui donne une nouvelle occasion au numéro 15, Gratton Dalla. Au même endroit. Presque la même, hein. Allez, à 5 mètres près, c'est la allez. Donc, une deuxième tentative, peut-être, du numéro 15. Et Gratton. Arrière Gratton. De Sorragout, de l'équipe de Sorragout qui joue en blanc et bleu aujourd'hui. Et Juillet qui joue en rouge aujourd'hui. Pour ceux qui nous auraient rejoints entre temps et qui n'auraient pas suivi le début de la rencontre et la phase de présentation des deux équipes. Allez, le numéro 15 et arrière de cette équipe, je le disais tout à l'heure. Mathieu Gratton. Allez, deuxième chance pour le droitier, légèrement un peu plus à l'intérieur quand même. Elle est un peu plus près. Moins d'angle. Allez, c'est là. Oh, poteau. Attention. Poteau. Allez. Oh, c'est pas trop bien. Récupéré par Sorragout. Qui récupère le ballon dans les 22 mètres. Le ballon est récupéré par l'équipe de Swan. Et ça, aura, ça y va. Pénalité. Pénalité. On rentre sur le côté. Côté Sorragout. On est venu intentionnellement sur le côté dans le déblaiement, hein, c'est ça. Ouais.
Ou le déblayage, si... déblayage. Déblayage, c'est mieux. Déblayage, c'est plus joli. Déblayage. En tout cas, ça va permettre à Julien d'avoir une pénalité et de se dégager. Le déblayement, c'est pour Ruben de la patte patrouille. Hein. Ça, petit coucou à mon fils qui adore la patte patrouille. Eh ouais, petit coucou à tout le monde. Allez, ce qu'il y a. En tout cas, pris par la patrouille, du coup. Ouais, en tout cas, il y a si un je peux me permettre le la passerelle. En tout cas, un joueur de sol qui reste au sol. Sur ce dernier groupement, un joueur de sol est resté au sol, et c'est les soigneurs. Ouais, peut-être un ballon, je sais pas sur le précédent ruck, tu sais. Peut-être un ballon qui a été pris au-delà. Hein, de... ouais. Et petite info, est-ce que tu reconnais ce soigneur, Sautin? Ce soigneur. Ça a été le soigneur du Castres Olympique dans les grandes heures, en 93. Eh oui, oui, oui. Bien joué, mon cher Juju. Eh oui, c'est comment il se nomme. Attendez, je vous le dis tout de suite. Attends, mais moi j'ai la feuille de match. Tu demandes c'est la feuille Alain de match. C'est Alain Boyer. C'est l'ancien la du Castres Olympique. C'est Alain Boyer. Alain Boyer, bravo. Bien vu, mon cher Juju. Allez, le numéro 9. La touche a pas été trouvée. Hein. Et soit le Kirola. Ah, il passe en plein, mais l'arbitre de touche ne dit rien. Oh, mais elle passe au contact, c'est bien joué. Le numéro 5. Ah, oh, failli intercepter par Julien. Un numéro 12 qui rate et qui zigzague. Le numéro 12 de soit le Combe. Qui rentre à l'entrée des 22 mètres. Attention de se sortir, hein, le placard. Ça joue dans le sens. Belle défense encore des Juliens. Ah oui, une montée défensive là, des rouges impressionnantes. Hein. Le ballon est quand même maîtrisé par l'équipe de Soal qui se restructure autour du numéro 9, Fabiani. Allez, le demi de mêlée. Allez, non, c'est le duo 8 Delpi qui repart au roi. Le capitaine de cette équipe de Soragout. Eh non, c'est pas le capitaine, c'est l'entraîneur. C'est ah oui, l'entraîneur, excuse-moi. Oui, Delpi, effectivement. Ah là, oh là là, le placage. L'arbitre du ring, l'arbitre du ring. Le ballon est maintenu par le numéro 7, capitaine Burdalski, dans le sens. Fabiani qui tire. Oui, oh, il se fait la balle tout seul. Bien joué, la passe par-dessus. Ah oh, oui. Et l'arrière. Elle est prise à 5 mètres de la ligne. Belle défense. Ah, oh, ça joue dans le sens. Oh, belle défense. Fermé. Peut-être va-t-on ouvrir. Peut-être côté ouvert maintenant. C'est fait. Le numéro 10 qui envoie sur son centre. Allez. Et qui va tenter d'y aller tout seul, il revient dans la défense. Attention, il faut écarter peut-être côté ouvert. Allez, c'est belle, fait. Elle est belle. Le ça numéro 10, le numéro 15 qui rentre. Oh, mais joueur, la première ouais, 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 ah, joli croisé, hein, le venu à la croisée. 21ème minute de jeu, 21ème minute de jeu, presque 22. Premier essai de cette rencontre. Un essai marqué par. Le numéro 13, non ? Le numéro 13, peut-être. Me semble Barthélémy. Barthélémy, qui est venu se proposer à hauteur. À croiser avec son arrière. À croiser avec son arrière. Et qui vient aplatir le premier essai de cette rencontre. Sous les poteaux, on peut dire. Presque, presque sous les poteaux. Qui va permettre à son artilleur de pouvoir peut-être passer les premiers points au pied, puisque. Eh ouais, ouais, en tout cas, c'est qu'on ouvre le score avec cet essai sec. À zéro. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on voit que le numéro 9 de Swan, là, Fabiani, met beaucoup, beaucoup de rythme. Ah oui, beaucoup de rythme. Ah, il prend les intervalles. Beau joueur, là, pour le moment. Mais. Ah, il y en a un blessé du côté de Swan. Mais la ligne défensive rouge qui a été mise à mal, là. Et une croisée qui a mis. Ah, nous avons un blessé. Un joueur de Swan qui quitte le terrain. Ouais. Le numéro 11. Paul. Paul, le numéro 11, qui quitte l'air. Ah, c'est transformé, hein. C'est transformé, hein, pour c'est le numéro 15. Oui. Donc, 23ème minute de jeu, mon cher Juju. Puisque tu fais tout ici, je l'ai toujours dit. Allez, c'est le numéro 22 qui rentre. Pelazo qui remplace le numéro 11. Paul sorti sur petite blessure, je sais pas. Et ma femme qui regarde avec Tonton. Allez, donc le. Ballon et non pas. Un joueur de Soragout qui fait. On rappelle toujours quand même, on rappelle qu'il y avait l'intervalle derrière parce qu'il y a toujours Julien qui a 14 ans, avec le disque qui a toujours le carton. Oui, effectivement. Donc, soit on en a profité. Et justement, ça a été marqué presque dans la ligne défensive, dans le trou, peut-être. Allez, le numéro 15. Tu fais bien de le dire, puisque. Dubarry qui engage. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est relayé ! Ça va être récupéré par. Belle récupération. Julien. Allez, le demi de mêlée qui était en phase. Oh, le numéro 3 qui vient en hauteur. Presque pour. Ça a mis les mains. Ouais, mais on n'est pas sur ses appuis, bon, donc ça va être gardé par Julien. Qui joue dans le sens avec ses... Le numéro 9 qui joue dans le sens avec ses gros. Attention, ne pas se mettre à la faute là et donner une pénalité qui pourrait être dans les cordes de. Allez, Bégari qui joue.
Là, il y a eu un gros impact. Là, ah, l'arbitre l'a là, vu, l'arbitre. Ouais, mais là, il est venu s'empaler, là. Ouais. Là, il est venu s'empaler. Là, mais... je pense pas que ça soit le numéro pas... 3. Hein, ouais, c'est Willig, pas... là, sincèrement, c'est il s'est baissé. Il s'est baissé. Mais. Oui, c'est pas moi, après, il a pas mis les bras, peut-être. Ouais, il a pas mis les bras. On va le voir. On a le replay. Il y a une. Il y a un. Ah, Madame Calamotte, la pompon girl, un peu à la mi-temps, si vous voulez. On le voit au rack, hein. Ouais, mais ça... regarde. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. C'est la différence de gabarit, surtout. Ouais, voilà. C'est une. Grosse différence de gabarit. Le numéro 3, Willig ou Willig, je sais pas comment on le prononce. Hein. Et du coup, numéro 3 avec numéro 9, forcément. Enfin, numéro 9. Oui, numéro 9. Non, numéro 9 qui est sorti, excusez-moi. Bégari. 21. Bégari. Donc Bégarier. On a Juillan. Donc par le numéro 15 Dubarry qui va tenter de transformer cette pénalité. Oui, Melin Quentin qui est sorti sur blessure. Ouais, c'est, mais, il est sorti sur blessure. C'est vrai, Jérôme, je te l'accorde, il y a une très très bonne ambiance aujourd'hui. Ouais, on se régale. Autant en dehors du terrain que sur le terrain. C'est vrai, c'est vrai. Une belle journée. Excusez-moi si je m'excite aux commentaires des fois, mais... Donc j'écarte un petit peu le micro parce que des fois, j'ai la voix qui porte. Alors en tout cas... Si c'était qu'aux commentaires qui s'excite. Ouais, ouais, forcément. Arrête, il y a ma femme qui regarde. Alors en tout cas, il s'excite devant Amazon surtout. Ouais, des fois. C'est ça, on rappelle ça, que c'est... Les achats compulsifs. Achats Amazon. Allez, mais, du coup, on avait le 15 côté Soragout, on aura le 15 côté Julien. Ah ouais, les deux buteurs, c'est les numéros 15. Pour buteur, numéro 15, Dubarry. Dubarry qui va tenter. Ça me rappelle la position de Kessa, là, ça. Oui, effectivement. Et un petit peu Wilkinson aussi. Oh, belle frappe. Ça va passer. Oh, belle frappe. Et ça passe, 26ème minute de jeu. Ah, une très belle pénalité. On a un gros buteur, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Va pas falloir laisser trop de pénalités, hein, côté Soragout, s'ils veulent pas. Alors on le rappelle, après cette pénalité réussie pour le numéro 15 Dubarry, ce qui nous donne au score 7 pour Soragout et 3 pour Juillan. Merci Stéphane, merci ça fait Stéphane, plaisir. Ça fait plaisir. On essaie de faire notre mieux, bah on prend énormément de plaisir. On prend du plaisir, de toute façon, moi si je viens ici, c'est pour prendre du plaisir. Merci à nos femmes qui nous laissent tous les week-ends venir, enfin tous les week-ends. Pas tous les week-ends. Maximum de week-ends pour pouvoir suivre ces rencontres. Nous avons le carton jaune qui se prépare à rentrer. Ouais. Donc Julien va se retrouver de nouveau à 15 contre 15. Et ça va quand même, ça s'est soldé par 7 points pris. Et 3. Allez, et 3. Julien, le numéro 10 de Julien. Donc héros Jean-Marie qui rentre après son carton jaune. Son carton jaune. Après 10 minutes au chaud. 10 minutes pour le numéro 10. On reste à 10. Et 10 points de marqué des deux équipes. Là 7 là pour Soragout et 3 pour Juillan. Juillan, tout à fait. Allez. Allez, nous avons lancé Romain Tillac. Ah, le ballon est capillé, mais récupéré donc par l'attaque du coup rouge maintenant. Allez, ah, pour le numéro 15 qui prend tout le jeu au pied. Ah, ouais. C'est qu'il a moins de jeu, il va essayer de renvoyer le jeu dans la moitié de terrain de Soragout. Fabiani, le numéro 9 qui tape. Et va taper la quille, mais il va rester sur la ligne. Allez, oh, prise. Oh, belle. Ouh, là, c'est magnifique. Hein. Allez, numéro 10. Allez, là, le jeu en l'air, ça a pas peur. Hein. Allez. Ça a pas peur. Oh, belle, qui reste dans le dos de l'ailier. Ouais. Mais le ballon est récupéré. Et le numéro 15, Gratok qui dégage. Ça va, soir. Ouais, ça mais va la touche. Ça a été trouvé. Ça a été trouvé. Ah, belle touche, belle touche. Ou du moins, si ça n'a pas atterri dans la. Hors de la zone du terrain, il faut que ça franchisse. Faut que ça franchisse le plan vertical, hein, pour trouver la touche. Je crois que. À Juillan, on entend les supporters rire. Mamie, Lasonia, hein, on t'entend rire. On dit que Joyce est rire. Hein. Oui, c'est ça, on a Joyce à côté. Très, très gentille. Hein. Elle est très, très gentille avec nous. Allez, le lancer pour Tillac Romain. Allez, belle et prise par le numéro 22 Chrétien. Hein, belle prise. Et il a sa ligne 3 quarts. Allez, Tillac, oh oui, dans le dos. Belle écarté. Belle, c'est écarté sur l'arrière. Allez, c'est gardé. Oh, il est 2 contre 1. Allez, joue pas, percussion. Joue pas. Belle défense. Défense quand même. Du numéro 22, Pelazo. Allez, le ballon est maintenu. Allez, ça joue dans le dos pour Tillac. Elle a fait deux passes. Crochet de terre, il revient sur la défense. Bien défendu par le numéro 8, Delpy. Allez, il s'est pas tourné du bon côté. Le ballon est récupéré par Swan qui a gratté le numéro 6. Le brasseur. Oh là, le déblayage. Attention. Ah, l'arbitre l'a vu. L'arbitre, il est pris pour la patrouille. Attention, parce qu'il avait sifflé. Il avait sifflé. Déblayage en travers. Que... Ah, le déblayage en travers. Gros déblayage. Là, on est limite. Hein. Là, on est limite avec le carton. Là. Ah, l'arbitre dirait, mais le déblayage est à travers sur le là, numéro. Là, on est limite.
Faut rester lucide. Par contre, je crois qu'on peut saluer le café de Julien 15 parce qu'apparemment il regarde le match. Je viens de voir un message passer. Alors ouais, effectivement. Patrick Despo, c'est ça, hein? Patrick Despo. Merci pour ton message. En tout cas, on est très content que vous puissiez le vivre de chez vous à Juillet, hein, sans problème. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. On est là pour ça, vous pouvez pas forcément tous vous déplacer. Ça vous coûtera un apéro si on passe dans le coin. Voilà, voilà. C'est ça. Et n'hésitez pas à liker notre page. Comment tu l'as placé. Et on salue encore les abonnés de Série Rugby qui peuvent regarder sur leur page Facebook Série Rugby ce match en direct. On les salue encore une fois. Allez, en tout cas, ce qui laisse une nouvelle munition pour l'équipe de Julien avec le numéro 2, Tillac, au lancer. Allez, le numéro 2. Ah, belle prise c'est de capté par le numéro 22, monsieur Chrétien. Allez, ça laisse aller le 3 quarts. Oh, oh, double. Oh oui, oh. Il est prêt à vide, il est prêt à vide, l'arbitre ne touche la vie. Ouais, ouais. Là, ah, il y a un plaquage à vide. Le 8 contre le 8, là, il y a eu du plaquage à vide. C'est vrai. L'arbitre l'a vu, il a levé le drapeau. Ah ouais, 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 là il y a eu gros tampon, ah ouais, à vide. Gros tampon. Un énorme bump. Ouais, c'est vrai. Un énorme bump à vide. Et l'arbitre le touche la vue. Bisous à notre partenaire. Ouf, voilà, l'arbitre laisse l'avantage. Il est massif, hein. Il a vu là, Perrier, sur le gros plaquage à vide quand même, ouais, du numéro 8. C'est vrai. Sur son homologue. C'est vrai, mais attention, hein. Ça fait déjà deux fautes. Hein. Peut-être que l'arbitre de touche risque de sévir. Hein. Ah ouais, c'est le numéro 8 Delpic qui a pris à vide héros Jean-Baptiste. Mais... Ah, il était dans son élan et il est monté très très vite sur, sur les son croisés, homologue. En plus, il y avait une jolie attaque. Hein. Et donc, du coup, est-ce que ah, il va sortir le carton? Ah ouais, ouais, il sort le carton. Il met la main à la poche. Il met la main à la poche, 31ème minute de jeu, carton jaune. Carton jaune pour le numéro 8. Et coach Delpi. J'arriverai pas, c'est Delpi. c'est l'entraîneur Damien Delpi qui prend ce carton jaune logique. Hein, logique. Ah, on peut, là on est logique. Même si la montée défensive était très rapide. Et du coup nous avons Julien qui ne prend pas la pénalité. Nous avons Julien qui a joué la pénale touche. La pénale touche. Allez, c'est qui donne une jolie munition à l'équipe de Julien. On était un petit peu loin là pour l'arrière et artière de cette équipe. Hein. Bonjour à Servier Boujan alors. Bonjour, Redertam. Ouais, mais dis-nous où c'est parce que je sais pas. Vas-y, dis-nous où c'est Redertam. Allez, en tout cas, belle oh, oui, prise, magnifique, troisième hein. Bloc. Hein, belle, c'est belle, beau, belle, hein, franchement là c'est beau. Hein. Allez, ça se structure autour du preneur de balle. Et ça se structure. Un joli groupé pénétrant. Oh là là, groupé pénétrant là. Oh là là, c'est structure. Bien, il se structure ça. Ah oui, elle aura attendu par monsieur l'arbitre, un avantage stipulé. Oh là là, ça s'échauffe. Ah oui, là, ça s'échauffe. Mais le ballon, c'est ce qu'on aime. Ouh, joli plaquage. Et plaquage aux jambes. Ah, mais il a pas serré les bras, j'ai pris son nom. Ouais, mais. Le numéro 3 qui vient à hauteur, ça rentre à 7 mètres de la ligne de soil. Et l'équipe de Julien qui continue, qui pilonne, qui pilonne. On tente un pick and go, la numéro 3 Perrier qui rentre. Ah, on va revenir à la pénalité. Alors Sandrine, et non, il n'y a pas de 0-0. Tu nous as quitté quelques minutes, Sandrine. Il y a 7-3 pour Swal. Mais à la régie. C'est avec grand plaisir, mamie Lasonia. C'est avec grand plaisir que nous sommes là. Allez, et Julien qui a l'impression va aller en touche de nouveau. Hein. J'ai l'impression ouais, que. Allez, moi je vous l'appelle et la touche. C'est-à-dire que. Et il manque le numéro 8 de l'autre côté, donc. Et puis là, on a vu qu'il se structurait. Hein. Belle prise. Il tente, il manque un avant là, et pas des moindres, le numéro 8. Donc. Allez, donc nous sommes avec une belle. Allez, lancé. Oh, belle prise en troisième saut, elle est claquée. Ah, mais l'arbitre, eh oui. Fête de lancer, et oui, il y a eu fête de lancer. Il y a eu double lancé. Un double lancé, il y a eu. Ce qui est totalement interdit. Allez, oui, donc double lancé de l'équipe de Julien, du coup, ça fait une munition gâchée. Ce qui l'arbitre rend la mêlée introduction, Swal qui va pouvoir se dégager. Ah, c'est dans les roues à côté de Béziers. Ah, mais merci Redertam, impeccable. Merci Série Rugby pour la pub. Et oui, peut-être un abonné de Série Rugby. Tout à fait. Si tu veux t'abonner à la nôtre, c'est avec grand plaisir. De toute façon, on a un partenaire maintenant. Vous voyez les deux logos apparaître en haut à droite. Effectivement.
merci à eux. Qui eux aussi retransmettent des matchs en direct. Hein. En effet. Pas ce week-end. Donc, du coup, nous ont mis en lumière. Par contre, ils ont de super émissions la semaine qui revient sur les résultats. Ouais. Toutes catégories. En effet, Julie, c'est sur la goutte. Mais c'est vrai que dans les prestations, soit ça va plus vite. Donc, il faut pas oublier. Attention, Juju, je vais veiller au grain. Parce que sinon, on va se faire chambouler tout le match. Soragout qui se dégage. Soragout qui se dégage. Petite touche, on le rappelle, Soragout est contre le vent à cette première mi-temps. Donc la petite touche sur les 22 de mètres. Nous allons assister à un premier changement avec le numéro 17, Baben de l'équipe de Soragout, qui va rentrer. On ne sait pas qui va remplacer. Et ils s'en sortent bien quand même. Ah, c'est le numéro 3. En infériorité numérique, là. C'est le numéro 3, Willig, qui sort. Et donc l'entrée du numéro 17, Babeng. Alors Frédéric, à mon avis, doit rester 5-10 minutes à les arrêts de jeu. Ouais, 5 minutes à peu près. Je remettrai mon chronomètre pour la seconde période. Ah, là, c'est pas droit, là, c'est pas droit. Ouais. Ah, une munition qui est loupée encore du côté de Juillan, avec ce lancer pas droit. Alors, c'était un lancer... Troisième saut, pas droit, mêlé. Ouais, sans la goutte. Avec ce petit, avec ce léger vent, c'est vrai que l'ancien troisième saut. Et ouais, c'est vrai que ça se lève plus ou moins. Un supporter de l'ABB. Super. L'avenir bleu et blanc, hein, qu'on avait filmé avec mon cher Thomas, qu'on était allé filmer. Allez, numéro 8, assez qui prend le lancer. Belle défense encore de Soragout. Allez, numéro 22 qui lance sa ligne de 3 quarts. Oh, bienvenue, Memen. Oh, ben, sur les appuis, bien, belle percée, mais belle défense de Soragout. Attention, le bleu là qui va peut-être se mettre à la faute. Non, c'est ça bon. Ça relance. Oh, belle remise intérieure. Oh, oui, bien, le 22 qui vient se proposer. À l'intérieur de son centre. Un contre-règle peut-être, ça essaye, n'empêche. Ça essaye là, à côté Soragout. Oh là là, grosse poussée. Hein. Oh là, heureusement qu'il a soulevé ce ballon parce que là. Oh, bien joué, l'arrière qui est venu, Memen. Il rentre dans les 22 mètres, la fête le passe. Il revient à l'intérieur, il va être pris à 5 mètres de la ligne. Oh là 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 là, il était là. S'il arrive à parvenir à donner ce ballon. C'était compliqué. Mais voilà, heureusement qu'il a été croqué, qu'il a été pris au bras. Ah, parce qu'il a ce numéro 2. Oh, il est passé. Ah oui, il est passé. Numéro 2. Et voilà, il va y partir. Et c'est le numéro 2, Romain Tillac. 36e minute de jeu. Et Julien qui marque son premier essai à 15 contre 14. Eh oui, on le rappelle, Sol est à 14. Ils avaient réussi à scorer, Soragout avait réussi à scorer son premier essai sur dans l'intervalle de son carton jaune. Et là, ben c'est de même de l'autre côté. On voit là que les cartons, les fautes. Le carton, là clairement, je pense que. Dans les deux côtés, le carton a fait des défauts. À chaque et fois, Romain Tillac, hein, c'est ça qui marque cet essai. Presque sous les poteaux. Hein. Et qui permet, du coup, au rouge. De passer pour la première fois de cette rencontre devant au score à 8 pour eux. Et on a le numéro 9, Fabien qui a du mal à se relever. C'est que le numéro 2, t'allais le chercher. Ah oui. Joli. Percussion. Et donc le numéro 10 qui se charge. Ah, ça rentre. Et ça rentre. L'essai les transformer. Numéro 10, héros Jean-Marie. Qui transforme cet essai. Jean-Marie, pour parce Julien. Que Joss me l'a dit tout à l'heure. C'est Joss qui me l'a dit que c'était Jean-Marie. Et nous avons un essai d'occasion. Et donc du coup ça fait 10. Donc ça fait 7 pour Soragout et 10 Soragout pour Julien. Et 10 Julien. En tout cas nous avons du jeu, hein. ça joue. C'est vrai. On se regarde pas de temps mort. Un essai qui va peut-être marquer les esprits avant la pause. Allez, numéro 15 de Graton qui donne le coup d'avoir. Belle prise de Soragout. Belle prise de Soragout. On y va, sur les ballons. À la 32. Allez, Fabiani qui lance. Ah non, il refait partir ses avant. Allez, joue pour ses avant. Asseline. Ah, belle défense encore. Et grosse défense. Très, très grosse défense. Là, c'est très dense. Ça pique au bord. Au bord, sincèrement, il y a de la densité. Un en avant. Rien que sur la percussion. Ah oui, sur la percussion. Là. Sur la percussion, tout à fait, Juju. Tout à fait. Là, ça pique. Là, ça pique Dru. C'est très très dense, Aura. Très très dense. À l'image de ce numéro 3 Perrier, là. Je le disais tout à l'heure, il est très dense, ce joueur. Et du coup, on vient s'empaler côté Soragout.
et ça tapait, on entend des tribunes. Et le ballon, il a explosé, le ballon à l'impact a explosé. Et, ouais, et du coup, occasionné une introduction pour le numéro 21, Bégarier. Ah là 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 là. Jean-Marie, on m'appelle. Non, c'est pas toi Jean-Marie. À part que tu joues. Mais ton téléphone est compliqué. Et surtout à La Réunion. Allez, ce qui nous laisse. Je te l'ai déjà dit Jean-Marie, si tu... Si on pourrait faire un match là-bas. Ouais, franchement, ça serait bien. Et on dort chez Jean-Marie. Ouais. Allez. Et numéro 15, qui s'occupe, qui prend tout le jeu puis à son compte. Hein. Oh, il lobe les liés, mais Mathieu va bien placé derrière. Ouais, l'arrière est bien placé. Allez, chandelle. Allez, ça monte dessous, ça monte dessous. Le va qui est. Il va être dessous. Ah non, belle prise de l'arrière, du barré. Ben ballon et bien, ils sont forts hein, quand même. Hein. Là aujourd'hui. Des deux côtés, des deux côtés. Ah ouais, je veux le mettre en lumière aujourd'hui. Ah ça joue, il y a un espace. Ah là 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 là. Ah oui, attention. Attention, l'équipe de Chia qui dépasse la porte. Ah ben le dépasse du Rascol. Hein. Le catalonneur face à l'équipe. Belle défense. Ah oui. Ah il a fait exploser le ballon. Rascol. Belle défense de Rascol sur le. Ah oui. Il était tout seul. Ah il était tout seul. Il s'est pas fait prendre par le crochet. Il était esselé sur l'aile. Franchement, s'il se faisait déborder, il était mort. Il était mort. Ah le bar juillanais qui s'enflamme, apparemment à Julien. Ah bar, voilà. Ça s'enflamme. Ah, une, ah oui, une grosse attaque là. Ils ont vu que sur le côté extérieur, eh bien, c'était un petit peu dégarni. Dégarni, effectivement. À l'image. Ah là Stéphane, on te confirme que l'antenne des tribunes ça pique aura. Aura ça pique. Ah ouais. Ça pique vraiment, deux. Vraiment. Des gros impacts. Très très gros impacts. On le disait tout à l'heure, de toute façon, quand on a... Allez, Fabiani qui... Ah, il y a personne sur Laurent. Il a pas vu. Il a laissé ça les 9 3 quarts pour... Allez, numéro 12 dans le dos pour le numéro 16 qu'on a. Donc, il a laissé... Oh, belle, double sauté. Oh là 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 là. Oh là là, l'ailier qui est débordé. Mais belle défense, c'est revenu en travers. Allez, ça repart au rack. Oh, belle joué, oh, la croisée. Il est passé, le numéro 16 qui décale. Son numéro 12. Il va gagner. Oh, belle. Belle attaque de Ah oui là. Ah oui, très belle attaque. 40e minute de jeu. 40e minute de jeu. C'est le doublé, non? C'est pas son doublé. Et je sais pas, j'ai pas réussi à voir le numéro. Il me semble que c'est le 13 encore. Ah peut-être, tu as peut-être. J'ai l'impression que c'est. On va le voir peut-être à notre écran de contrôle là. Le numéro 6 je crois, non? Non mais là il décale et là c'est le ressort peut-être. Non mais là il décale, c'est le 13 il me semble. Ah peut-être. On verra pas, compliqué, essaye de sort à goutte. Et c'est le Soragout qui porte la marque à 12. Il repasse devant au score. Et 10 pour les rouges de Juillan. Ah il reste comme Sandrine, je pense que c'est pas le 9 à mi-temps. Et là ouais je pense peut-être qu'il va même la siffler à l'issue de la transformation. Et donc le droitier est numéro 15. Graton. Encore qui gagne 16 à 6. Allez, apparemment c'est la mi-temps, tout le monde a dit que c'est la mi-temps. Allez, on va se faire un petit peu d'orange, un petit peu. On va se désaltérer. Ah, ça et passe, ça passe, pas. Ça ne passe pas. Et l'arbitre. Et l'arbitre, non, l'arbitre ne siffle pas. Non, mais à son chrono. Ah, nous avons le numéro 8 qui ne rentre pas sur le terrain, j'ai l'impression. Il est remplacé par le numéro 20. Albert directement le numéro 8 avec Delpi ne revient pas sur le terrain. Allez, donc, nous venons... l'arbitre de champ qui décide de continuer. Nous venons d'avoir un petit score indirect à la mi-temps. L'aviron castré qui se déplace en Andorre est mené sur le score de 16 à 6 par Andorre. Super, super. À 10, il me semble. Merci Emily. Ah pardon, j'ai rien dit. Ah non, c'est bien 16 à 6. Merci Emily, mais compliqué pour l'aviron qui se déplace en Andorre. Hein. Ça doit taper Andorre aussi. Wow, il s'est fait lomber. Oh là 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 là. Oh là là le placage. Ah l'arbitre n'y dit rien. Oh, c'est pas vraiment méchant. On se calme. Jean-Marie, tu as tes lunettes, là c'était compliqué Jean-Marie quand même. Jean-Marie, c'était compliqué. Ouais mais même pour nous. C'était trop loin là. Bon, moi je porte pas encore de lunettes. J'ai des lunettes moi Jean-Marie. Ouais. Moi j'en porte pas encore hein. Je pense qu'à un moment donné. Ah une belle brosse. Ouais. Et il a brossé. Et l'arbitre qui. Et là c'est les pénalités, il veut pas se faire. Ah oui effectivement, tu as raison. Ah Alex, tu veux bien nous les emmener les bières à 8 ans, nous on est ouais, preneurs. Ouais parce que. On est preneurs. Moi force de parler, je vais avoir la pâteuse bientôt. Allez, on le rappelle pour ceux qui nous le demandent, qui nous suivent, 12 pour Soragout et 10 pour Juillan. Allez, juste devant nous,
Et Rascol au lancer. Rascol. Ah là, on est juste devant, on peut pas. Oh, ben droit. Oui, bien. Ah, il est contré. Il est contré par Chrétien. Chrétien, c'est une moisson. Ah oui, Chrétien. Ah, une belle moisson. Chrétien, très, 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 très fort en touche. Oh là là, ça se structure, ça se structure. Ah, l'arbitre. Ah, en avant, en avant, en avant. Ah, et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. L'arbitre renvoie tout le monde. Et le score 12 sort à goutte. Donc l'entente entre Soal et Saïs, on le rappelle, et Juillan 15. Bon, allez, on passe vite à publicité parce qu'il y a tellement d'enjeux qu'il faut qu'on parle en plus des résultats de la réserve hier. Donc un peu de pub et on revient d'ici, allez, 2 minutes à tout casser. À de suite. Allez, on revient à ce match entre Saragout et Juillan 15. Mais avant, on va donner vite fait des résultats concernant les réserves tarnaises d'hier. On t'écoute, Julien. Allez, on y va. Donc, l'équipe de Saragout, la réserve, a gagné hier sur le score de 8-3 contre Caussade. Le canton d'Alban a perdu contre Saint-Afrique 15-12. Caserre, Lille-sur-Tarn. Lille-sur-Tarn éliminée, défaite 34-30. Liesa, Aviron castré. L'Aviron castré gagne sur le score de 8-3. Mondredon, Manioc. Mondredon qualifié 15-11. Rabassens, Capdenac. Rabassens qualifié suite au forfait de Capdenac. Vabre, Castelnau-Montrachet. Vabre qualifié suite au forfait de Castelnau-Montrachet. Nous avons aussi Ville-Nouvelle, Ville-Mur. Ville-Mur éliminé suite à une défaite 16-10. Voilà pour les résultats des réserves que nous avons en notre possession. N'hésitez pas à nous commenter si vous avez des matchs en direct qui se jouent aujourd'hui. Et on rappelle qu'en ce moment, l'Aviron castré est en difficulté en Andorre. Ah ouais, en Andorre. Pour le moment, à la mi-temps, il perdait sur le score de 16-6. Allez. Un dernier truc, je salue un de nos partenaires qui vient nous rejoindre prochainement. Il s'agit de VNB à Castres qu'on salue. Ah oui, VNB. 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 Merci VNB, peut-être qu'on aura des bières à la mi-temps du coup. Ah ouais, du coup. Mais là, tu vois, on a pas eu le temps, tu vois. On n'a pas eu le temps. Et non, là, c'est pas grave. Faut qu'on reste au commentaire. Les gars, la réserve de. Non, interview de la réserve de l'abbé. Enfin, de Saragout ou pas. Ouais, mais là, c'est trop tard. Après. Allez, non, nous sommes de retour. Les équipes sont en place. Et le numéro 15, Graton, qui va lancer le coup d'envoi. Le temps. On va mettre le temps cette fois-ci. On va mettre le temps. Ouais, mais je crois que le tableau d'affichage va être bon là maintenant. Ah tu oui, c'est bon, impeccable. Allez, donc c'est lancé. Oh, allez, parce coupe. Que même le tableau d'affichage tout à l'heure, justement, cristaux liquides là-bas, oui, ou à LED, je sais pas.
Allez, nous avons donc, du coup un risotto aussi d'une réserve qui vient nous faire parvenir l'équipe de, justement de Julien, qui a gagné 15 à 12. Voilà, au canton Saint-Lys. Et on m'a dit tout à l'heure, il me semble que si je ne me trompe pas, la réserve de Julien va jouer la réserve de Sorragout la semaine prochaine. Waouh. Allez, hop, c'est contré. Bis repetita, donc peut-être. Du match d'aujourd'hui. Allez, le match d'aujourd'hui. La touche contrée, oh là là, contrée, soit il s'est fait contrer. Ouais, attention, il va être peut-être maintenu à l'air. Non, c'est bon, il a été mis au sol. Alors rappel, le score tu l'as direct, c'est 12 à 10 pour Sorragout. Allez, c'est reparti. Hein. Ouais, Chia qui vient en hauteur de son ouvrage. Allez, ça joue, les ballons vont être portés. Allez, numéro 12 de Chia qui passe. Oh la Chistera. Oh là là, là en avant, le ballon récupéré par Sorragout. En avant, en avant, en avant. Voilà qui fait l'équipe Sorragout, excusez-moi, qui fait un en avant sur la récupération, mais je crois que l'arbitre va revenir au premier en avant de Juillet. Coucou Lauriane, ça fait plaisir. Bonjour de Caraman, et bonjour à Caraman. Eh bien, bonjour à Caraman. Eh, hey, Caraman. Ouh, oh, là, ça sent le jeu de mots, là. Le jeu de mots du dimanche. Ça y est, je vais me faire chambrer. Nous avons responsable à Chamazon qui est en pleine forme. Ah, quand il y a du bon rugby, il est en calme. Nous avons le numéro 1, Schlick qui vient d'être remplacé. J'ai pas vu le numéro de son remplaçant, en tout cas. Ah, nous avons. Je le souhaite pas, mais j'ai l'impression que nous avons encore un blessé du côté de, oh là là là, de Julien. Ah, il sort en boîte. Sa boîte. Hein. Ouais, là, sa boîte. Hein. Ah, mais ne serait-ce pas déjà le 9 qui a remplacé le 9? Oh non, pas le 21. Pas le 21. Ah non, non, il est là-bas. Ah, c'est là-bas, le numéro 13, apparemment. Le numéro 13, la crampe, peut-être. Non, on va pas faire le jeu de mots. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Non, c'est pas une crampe. Non, je vais pas le faire. Non, 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 Alex, quand même. Je vais pas le faire. Ne le fais pas. On t'a senti la. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Et le numéro 20, du coup, qui va faire son entrée, Bourdelec. Allez, merci Lionel pour. Nous avons un score à la mi-temps. Lille sur Tarn qui gagne 12 à 0 contre Cabestany. Ça aussi, je ne sais pas trop où c'est. Ben écoute, vas-y, s'il y a quelqu'un qui peut nous dire. Où c'est. Je crois qu'on a aussi Montredon. 17 à 10 à la mi-temps pour Montredon qui gagne sur Saint-Gilles. C'est voilà. Cool ça. Merci c'est pour cool. Les résultats, n'hésitez pas. Allez, ça laisse une munition pour soi. Introduction. Ah, le ballon n'est pas être dit. Ça joue vite. Le numéro 9, Fabiani, qui là, c'est son capitaine, Burdalski. On vient gratté sur tous les racks. Ah bah ben, qui la sort, le numéro 5, c'est bien joué, la passion. Bien. Nous sommes à l'entrée de le 10, est-ce que l'on a qui saute pour son arrière? Oh bien. Oh oui, c'est bien joué. Le numéro 14, peut-être. Oh, une belle défense, belle défense. Ah, nous ne voyons plus, mais je pense qu'il y a une très 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 belle défense de l'arrière de l'équipe de Julien. Ah là là. Ah, en effet, non, c'est le numéro 11. Fourcade qui a fait une très très belle défense. Ouais, le 14 là qui était bien lancé. Allez, Soal qui rentre. Oh, mais le numéro 5 est passé. Oh oui. Le capitaine Burdalski qui est pris. Christian, on se sort pas peut-être de la zone placard plaqué. Voilà le bratanu de monsieur l'arbitre qui stipule. Essaye. Et essaye. Nous avons un mauvais geste sur le placage de l'arbitre. L'arbitre de touche qui a levé le drapeau. Mauvais geste. Sur l'action, nous avons l'arbitre de touche qui a levé le drapeau. Mauvais geste peut-être, mais en tout cas, le score qui va être porté à 16 à. 17 à 10. Je crois qu'il y a pas mal de blessés sur le terrain là. Ah, mais là nous avons un plaquage à vide, j'ai l'impression qu'on prend en mi-temps dans le sens inverse. L'arbitre de touche a levé le drapeau. Ah ouais, il ouais là. Avec son arbitre de champ. Et Soal qui revient à l'intention, il propose du jeu là. Ah, bah là je les ai attendus la mi-temps que l'entraîneur disait arrêtez de donner le ballon au pied, j'ai l'impression que là ils veulent porter le ballon. Bah, ils veulent porter le ballon, et c'est surtout que quand t'as la possession du ballon, eh ben, c'est toi qui deviens dangereux. Et que si tu le rends au pied, eh ben, forcément, il ben, y a moyen que tu subisses. Donc forcément. Rugbystiquement parlant, je vais pas apprendre à nos abonnés comment on doit jouer un match, mais voilà quoi, si t'as le ballon. Ben, tu t'exposes un peu forcément moins. Il y a mon frère André là, la Bobby. C'est carrément ça, tout à fait. Allez, en tout cas, donc nous avons le numéro 2 Rascol qui laisse cède sa place au numéro 16 Christophe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Carton en tout jaune. Cas, en tout cas, nous avons. J'ai l'impression qu'il est un peu sonné. Mais il n'y a pas de carton là, hein, sur. Mais si, il y a un carton. Si, il y a un carton, hein. Ah, c'est le numéro 2, Tiak qui prend le carton.
plutôt mauvais geste, le plaquage à vide de tout à l'heure. Peut-être, ouais. Du coup, j'étais en train de regarder toutes autres choses, malheureusement. Mais nous avons le maître à la régie qui... C'est transformé, personne. C'est transformé pour Soragout. Donc le score est 19 pour Soragout, 10 pour Julien. Et on le rappelle sur l'action, carton jaune pour le numéro 2, Chillac. Ouais. Et on l'a vu tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait un carton, c'était préjudiciable à l'équipe pour qui c'était sifflé. Donc attention. C'était du coaching aussi, le numéro 18. Ouais, le numéro 18, ouais. Encore... L'Aigverne. L'Aigverne, si on ne l'écharpe pas. Assez dense quand même, ce numéro 18 également. Le numéro 3, hein, Perrier, qui va sortir. Non ? On va voir le numéro... Ah, c'est Caron. Numéro 5 ? Oui, Caron, le numéro 5. Merci, Joss. Heureusement qu'on a notre acolyte à côté, hein, Joss, là, de Julien. Je crois qu'à chaque fois qu'on va se déplacer, maintenant, on va prendre un de chaque équipe. Hein. Comme ça, on ne sera pas emmerdé. Allez, en tout cas, Julien qui a récupéré le ballon sur le coup d'envoi. Allez, l'arbitre lève le bras suite à l'en avant. Hein. C'est un avantage. Allez, un ballon porté, là. Un ballon porté, le bras tendu de monsieur l'arbitre. Ah. Monsieur Flore ou Flores. On l'appellera Mathieu. Je crois que l'arbitre de touche a levé le drapeau en face aussi. Ouais. Je crois qu'il y a un mauvais geste parce que le numéro 7, je pense qu'il est... Ah non, l'arbitre qui revient. Ouf. Là, le numéro 7. Attention, l'arbitre de touche. Attention, le numéro 7, là, je l'ai vu. Le numéro 7 de Soragout aussi, là, c'est normal. C'est normal. C'est normal. L'arbitre, il est pris par la patrouille, j'ai l'impression. Là, le numéro 7, Burdalski. Eh, nous avons notre copain Sergio Gonzalez sur la photo. Si. Ouais, l'arbitre de touche qui appelle le capitaine des deux côtés. Ah, l'arbitre, je pense que l'a vu. Là, je pense que ça va faire du 14 contre 14. Je pense aussi parce que... Ou alors retourner la pénalité peut-être. Ah, il reste combien de temps? La mi-temps vient de commencer, il reste 35 minutes encore. Hein. Ah, les deux arbitres de touche. Il y a Joy qui commente aussi, ouais. Vous ne prenez plus de risques avec lui. Ah si, on essaye. En tout cas, les deux arbitres le touchent parlent avec l'arbitre central. Ouais, mais là, clairement, le capitaine de Soragout, là, Burdalski, qui est venu clairement sur le côté. Enfin, après, de toute façon, le drapeau de monsieur l'arbitre... Là, les arbitres, on l'a dit, c'est les phases finales, les arbitres de touche. Tout à fait. Hein. Allez, là, on l'a vu clairement. Alors, les deux capitaines sont... Déjà, on a une pénalité, de toute façon, pour les rouges en cours. Et peut-être même une biscotte. Peut-être même une biscotte, parce que... Il avait clairement pas besoin de faire ce geste-là. Il faut rentrer dans l'axe quand on défense. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Et c'est le jaune. Comme on le disait, mauvais geste. Monsieur Burdalski. Pour le capitaine. Et capitaine, forcément. Et là. On se retrouve à 14 contre 14. On le rappelle, carton jaune pour le numéro 2 de Chillac du côté de Julien. Et l'entraîneur de Julien qui demande d'aller chercher la touche. Qui va être fait par l'arrière-garde et le numéro 15 de cette équipe. Et rentrer dans les 22 mètres pour un lancement de jeu. Ah là là, l'arbitre de touche se fait, je pense, rappel à l'ordre, la sécurité, parce qu'il a dû se faire mal parler par le public. Ouais, je pense aussi, ouais, peut-être. On avait eu le même cas de figure où l'arbitre de champ, tu te souviens, à Mazamé, oui, où on avait eu un gros arrêt de jeu par rapport à ça. Ah. Bon, revenons au jeu quand même, parce que... Mais c'est vrai que l'arbitre de touche... Il appelle le délégué. En tout cas, Julien qui prend le ballon. Le 17, non, l'arbitre dirait. Ils disent que c'est... C'est licite, c'est dans les règles. Allez, une offensive des rouges. La perte de passe pour le numéro 10. Il a perdu le ballon. L'arbitre qui revient. Mais je pense, il y avait un bras tendu, Juju. Tu l'avais vu. Ouais. Il est revenu. Une pénalité qui était en travers, le numéro 17 en travers, j'ai l'impression. Ouais. Allez, ça joue là. Ça recherche la touche à l'intérieur, le numéro 15 Dubarry qui va chercher la touche. Salut Mathieu. Excusez-nous Sandrine, on sait pas trop, on n'a pas vu les numéros, en tout cas il y en a un qui est sorti sur blessure en effet. Mais j'ai l'impression que tu as raison. Après
on peut pas avoir l'œil sur tout et on connaît pas forcément l'entièreté des équipes. Allez, en tout cas, ce qui laisse une pénale touche, une munition pour l'équipe de Juillan dans les 22 mètres de Soragoutte, lancé Juillan. Allez, oh, belle prise. Allez, bah, oh là, le numéro 22, oh là, il me fait rêver. Il prend tout, ah tout, oui, il prend tout, 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 tout. Une belle moisson, cette Un numéro 22, Chrétien, là, très, très, très fort en touche. Allez, ça se structure autour de lui, ça se structure. Même les trois quarts, ils y vont. Ah oui, les trois quarts, ils y vont. Peut-être, peut-être que ça va y aller alors. Il y a plus peut-être que ça va y aller. Eh oui, c'est laissé en force. Laissé en force. Non, non, il a pas. Si, si. Non. Si, l'arbitre le touche, il va. L'arbitre le touche, il va. Laissez valider pour l'équipe de Juillan. Et c'est validé, ce qui nous porte le score à 19 pour Soragoutte et 15 pour Juillan avant la transformation. 51. C'est à l'envers, 51. Eh oui, il faut que je compte, hein, parce que le timing est à l'envers. Il faut que je réfléchisse, que je fasse marcher mes neurones. Allez, on essaie. Ouais, franchement, là, Chrétien. Ah, impressionnant, en touche, impressionnant en touche, Chrétien. Allez, et du coup qui met son équipe dans l'avancée, du coup, parce que ballon porté à l'issue de la prise en touche. Ah, nous avons un changement de buteur, c'est le numéro 10 qui parle le buteur. Ouais. Héros. Et ça passe. Belle. C'est transformé. Ce qui porte le score à 19 pour Soragoutte et 17 pour Juillan. Quel match. Ah oui, là. Quel match. Ça sera un coup pour coup. Hein. Franchement, on m'aurait dit que je verrais ce match aujourd'hui et que je commenterais ce match. Mais franchement... On se régale. Un vrai match de phase finale. Là, c'est un vrai match. Là, c'est un vrai match. Sans porter préjudice à tout ce qu'on a pu aller filmer. Mais là, qui disait que... En honneur, ça jouait pas. Et bien voilà, vous avez la réponse. Par vous-même, ça écarte les ballons. Et comme on dit pour jouer, c'est très propre. Il faut être deux. C'est ça. Donc là, deux belles équipes sur le terrain. Deux vraies belles équipes là, vraiment. Allez, dans le numéro 15, Graton qui va engager. Allez, belle prise par le numéro 7 de Julien qui lance son ouvreur. Hop, recroisé avec son numéro 8. Recroisé, mais c'est bien lu. C'est pour essayer de mettre de la mettre, ça. Et oui. Ah, et c'est gratté. C'est gratté par l'équipe de Soragoutte. L'occasion pour Soal de mettre 3 points. Parce que là, ça prend les points. Là, Soal. Soragoutte. Soit la goutte. Soit la goutte. Soit la goutte. Allez, donc Mathieu Graton qui prend le ballon. Ah oui, l'occasion de pouvoir. Aggraver le score et se mettre à 5 points. Pas encore à l'abri d'un essai transformé, mais... D'un essai transformé. Et allez, Graton. Il se prépare. Est-ce que tu vas la passer, celle-là? Elle passe. Allez, un score qui passe à 22 pour Soragoutte et 17 pour Juillan. Ça sera un coup pour coup. Un beau match de... On est pris par Sergio. Sergio Gonzalez, photographe. Nous avons la crème des photographes cet après-midi. Nous avons la crème. D'ailleurs, je l'ai vu, il est venu présenter son badge au représentant fédéral parce que vous ne le savez peut-être pas, mais pour entrer dans l'aire de jeu, il faut avoir une accréditation. Ah, ce coup d'envoi bien tapé. Oh là là là, il a été bien tapé. Et en avant. Et ça fait cavaler. Une belle touche. Très belle touche. Je descends apparaître aussi la photographe Adeline Farrell. Oui, Adeline aussi. Afano. Qui de temps en temps, j'ai laissé photos pour mes portraits de joueurs. C'est super sympa. Merci à elle. Adeline qui a également l'accréditation puisqu'elle se trouve dans l'aire de jeu.
Allez, nous avons le carton de Julien qui se prépare. Tiak a offert son entrée sur la pelouse bientôt. Et si vous voyez des gilets jaunes sur le bord du terrain également, c'est pas parce qu'ils manifestent, c'est parce que c'est des. C'est des gens de la sécurité, hein. Allez, nous avons l'entrée du numéro 16, Baldès. Et ben voilà, mon numéro 3. Il sort, mon numéro 3. Qui remplace le numéro 3, Perrier. Et nous avons rentré un jeu du carton, hein. Du beau bébé, hein. Là, le beau bébé, Perrier. Ouais. Donc, nous avons l'équipe de juin qui se retrouve à 15 contre 14, hein. Ouh. Aïe, 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 aïe. En avant. Non, ça va, il s'est relevé. Ouh là. Elle aura attendu là par monsieur l'arbitre. Ah, sur l'en avant de Soragoute dans la ligne. Tu crois que c'est un en avant? Ouais. N'avait-il pas peut-être une position d'orgue? Allez, ça joue le 0-12 de Tchiak qui porte le ballon. Ça porte. L'avantage est terminé. Allez, ouais. Donc c'était un en avant, effectivement, Juju, tu avais raison. Allez, ça. Oh là. Hop, par-dessus. Petit ballon par-dessus. Et Marc peut-être, non? Non. Il le relance. Oh là là, il l'a dévissé. Oh là, complètement dévissé. Là, attention, hein. Heureusement qu'il la trouve la touche, parce que là, il aurait pu se mettre en difficulté lui-même. Hein. Surtout quand tu essayes de taper en touche, ou du moins grand côté, et que tu te retrouves presque au centre du terrain, et que t'as pas forcément de défense, c'est assez risqué. Mais merci Sandrine, c'est sympa. C'est vrai qu'on a un joli match, on le dit, c'est vrai que ça joue des deux côtés. Franchement, sincèrement. Belle touche captée. Encore Chrétien là qui vient essayer de gratter ce ballon. Voilà, le ballon qui passe, le ballon qui est mis au sol. Allez. Ça se structure autour du demi de mêlée qui laisse l'initiative de jeu à ses avants. Allez, numéro 9 qui relève. Voilà, le numéro 20. Albert qui relève. Allez, le demi de mêlée, demi d'ouverture sur son centre, deuxième centre, numéro 13, Barthélémy. Allez, peut-être. Le ballon est conservé par l'équipe. Peut-être avec un petit peu de vitesse, mais l'arrière-garde rouge monte très très vite. Allez, ça porte Flamini qui anime bien. Oh, c'est remise intérieure. Oh oui. Ah oui, il est passé le numéro 17. Babin qui perce à l'intérieur de son ouvrage. Allez, le ballon est maintenu, ça laisse de nouveau. Allez, ça écarte, le numéro 4. Oui, qui rentre dans la défense, qui se fait croquer. Le demi de mêlée, qui va récupérer ce ballon, qui va écarter sur une. Ah, ça renverse. Ça renverse. Ah, Babin qui redécale. Oh, bien joué. Ah, ben la défense encore. Franchement, la défense de Julien, bien en place, que ce soit petit côté ou grand côté. Allez, numéro. Soal qui a la maîtrise du ballon dans les 22 mètres. Ça lance sa seconde ligne, numéro 5, Antoine Dominique, aura. Ah, de le conteste. Eh non, le bonhomme qui Fabiani, aura. Oh, il y va tout seul, le numéro 9, il y va. Jérôme, pour répondre à ta question, c'est un XR qui. C'est un XR qui file. Vous voyez là. Parce que nous avons. Jérôme qui nous dit que la qualité d'image est meilleure. C'est et ce qui est vrai, parce que notre maître à la régie a investi. Le Parigo a investi. Allez, le ballon est maintenu dans les 22 mètres pour l'équipe de Soal. Ça se structure, aura, ça se structure. Mais jolie défense de Julien. Ah, il est parti tout seul. Il s'est extrapé du regroupement. Ouais, ça essaie de rentrer. Ils sont à 5 mètres de en avant peut-être, mais l'arbitre ne dit rien. Le ballon. Mais c'est ce que demande la défense. Mais l'arbitre ne broche pas. Le ballon toujours à l'initiative de Soragout. Là, ils sont à un mètre de la ligne. Le numéro 9, peut-être, ou les avants qui vont peut-être s'organiser sur un ballon porté. Ça s'organise. Peut-être un maul qui va être déclaré. Ça y est, le maul est déclaré par monsieur l'arbitre. Oh, mais c'est bien contré. C'est bien contré. Ça désaxe. Ah, ils ont mis les mains sur le ballon, j'ai l'impression. Attention, hein, s'ils se font croquer, peut-être un ballon qui va être. Ça défend bien côté Julien. Ah là, parce que c'est sur la ligne. Ils sont bien au ras, hein. Attention, ça vient de suite. Hein. Ah, l'arbitre met un bras, il y a une pénalité. On a essayé d'effondrer le mol. Hein. Et l'arbitre met un avantage. Ah, mais ils pourront pas escarter là, il y a personne. Ouais, non, mais là, il faut écarter. Il faut le tenter, voilà, c'est ça. Il faut peut-être sur le ballon. Ah, mais... belle prise. Voilà. Belle prise. Et donc, on va revenir à.
Alors, que va dire monsieur l'arbitre? Parce que là, on est quand même sur très très proche de la ligne d'essai. Pour l'instant, nous avons une pénalité pour Soragout. En effet, Jérôme, là, très 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 belle qualité d'image. Ouais, enfin, il n'y a pas que le XR qui fait l'image, hein, attention. Oui, il hein. Y a le logiciel. Mais disons que ça aide. On a un problème à la régie. On marque, vu le prix que ça coûte, il vaut mieux quand même. Ouais, mais ouais. En tout cas, on a le parego à la régie. C'est ça. Allez, le carton de Soragout qui rentre sur la pelouse, le numéro 7, capitaine Burdalski. Et nous voyons apparaître aussi le numéro 3. Effectivement. Willy qui remplace le numéro 17 de Babin. Mais ils ont bien fait de garder le ballon. Hein. Ils ont bien fait de garder le ballon au chaud. Alors on se retrouve de nouveau à 15 contre 15. Les équipes sont au complet. Suite au retour des deux cartons. Allez, donc un coaching tactique de le numéro 17 qui ressort. Babin. Ouais. Le logiciel là qui nous permet de faire des interactions toujours plus jolies. Allez, Swan qui prend les points. Nous avons Swan qui prend les points pour le numéro 15 de Graton. Peut-être fallait-il continuer ou alors jouer la sagesse pour se mettre à l'abri de l'essai. Se mettre effectivement à l'abri de l'essai transformé. Ça fera du 25-17, ils seront à l'abri de l'essai déjà. Ouais, surtout que là, c'est à mon avis dans les cordes de l'arrière Graton. Mais encore une fois, je ne veux pas porter la guigne. Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, de toute façon. Allez, ça rentre. Ça rentre. Allez. On a été transformé par le numéro 15 de Graton pour Soragout. Qui porte le score. 62e minute de jeu. 62e minute de jeu, 25-17. On est à la 62e minute. Et nous avons un remplacement, le numéro 19 qui rentre pour Soragout. Le numéro 4 qui sort. Joue sera remplacé par Ségur. Du coaching. Allez, donc Julien, par l'intermédiaire du numéro 15, Dubarry, qui a fait le renvoi. Oh, joli renvoi, il est bien parti. Il est haut. Et c'est. Oh là là. Ah, mais c'est en se baissant, hein. C'était compliqué là. En se baissant, et puis il s'était tourné donc. Compliqué. Ça va. Bah, l'arbitre. Ah, si, l'arbitre siffle la plaquage au quand même. C'est l'arbitre de touche. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne sur le. L'arbitre de touche. Ah oui, là, mais il a levé son drapeau, mais. Vu que le jeu est pour Julien, il faut arrêter le jeu monsieur l'arbitre, puisque c'est Julien qui a le ballon et ce n'est pas. L'arbitre va revenir à voilà, sa faute. Et le ballon doit être redonné à Soragout, je pense, pour le plaquage haut. Et donc du coup il fallait arrêter ce jeu. Et Oui. Voilà. Valdez est rentré. Il est rentré le numéro 16 de Julien. Et bien rentré sur la pelouse, hein, Jason. Ça va. Ah oui, très très belle très très belle reprise du pied de l'entraîneur. Ah, les joueurs de Julien sont pas contents, mais c'est vrai que quand même ce baissin, il avait pris un peu au coup. C'est la protection des joueurs. Même si c'était pas volontaire, c'est la protection des joueurs. Ouais, il s'est baissé. Sachant que par rapport au plaquage, tant qu'on parle de plaquage, mon cher Juju, on a pu voir un article paraître sur la page Facebook. Le numéro 12 de mer à hauteur Tillac de son ouvreur. La saison prochaine, hein, par rapport au. Je vous invite à aller le lire, parce que c'est assez intéressant. Même si c'est pas forcément. Ce plaquage à la ceinture. Ouais, voilà, plaquage à la ceinture. Oh, c'est revenu à l'intérieur. Oh oui. Et oui. Le numéro 1 s'est passé. Oh là là, belle défense. Il a oublié son délire. Oh là 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 là. Il faut plaquer. Il a pas mis les bras. Donc là. Pénalité, mais le ballon est quand même tenu pour Julien. Qui se replace. Oh là là, ça ouvre. Ça va ouvrir le numéro 12 qui garde le ballon, mais merde, on sort de son arrière. On sort pas en avant. La passe est en avant, mais il faut revenir. Oh là 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 là, ça se chauffe. Réellement, je crois qu'un léger en avant, mais bon, c'était pour le geste, la passe à hauteur. Ouais. Mais bon,
Ça revient, ça revient. Alors, est-ce qu'ils vont jouer la sagesse? Et, monsieur la, l'entraîneur de, des Rouges a demandé les 3 points. Et il reste un quart d'heure encore, ils sont à 8 points. Donc, il faut peut-être se mettre à portée de tir pour un éventuel essai en toute fin de rencontre. Et parce qu'ils reviendront à 5 points là. Quand, quand les points se présentent, il faut les prendre, hein, surtout en phase finale. En tout cas, nous avons encore une belle, belle attaque de l'équipe de Juin. Ça nous, on a un joli match, vraiment, on se régale. Ah ouais, là, moi je me régale. Là, on se régale. Et le passage de bras du numéro 12 de Tchiak, là, de... légère en avant, mais le joli passage de bras. Et le plaquage, du coup, le plaquage qui a fait tomber le joueur. Bon, il était légèrement en l'air, donc forcément, sur le prochain. Allez, ça rentre. Le numéro 10, héros, qui rentre la pénalité pour amener son équipe à 25, à 20. Et il reste un quart d'heure de jeu. Ah, c'est tendu, on se régale. Allez, donc nous avons le 15, Graton, qui va s'emparer du ballon pour le renvoi. Je pensais que Juju, on va avoir un quart d'heure là. De folie. Je pensais que... Il n'y a pas que nous qui se régale. Un commentaire, tout le monde se régale. Ouais, franchement, là, sincèrement, très beau match aujourd'hui. Allez, beau renvoi, belle prise du numéro 7 de l'équipe de Juin. Allez, le ballon, il est porté, il est mis au sol. Ah, ouh, ah, le contest, ah ouais, le contest bien, hein. On est bien déblayé. Allez, par-dessus le numéro 21, son homologue à la mêlée. Ah, là, il s'est tourné. Ah, là, il s'est tourné. Oh, il renvoie. Oh, sur les liens. Plein axe sur les liens. Qui lui aussi se tourne. Et ça relance, ça relance. Le numéro 14 qui relance. Ouf, avec de la vitesse, il est venu. Ah, belle défense. Il a été stoppé à hauteur de 45 mètres. Le ballon en possession. Julien qui laisse son numéro 16. Baldès. Qui était venu presque. Même main. Même main, oui, effectivement. Allez. Une 9 pour une 10. Qui laisse son centre carré, le numéro 12. Ouais. Ouf. Tchiak pour Tchiak. Ouais, c'est les cousins. C'est les ça. Cousins. On m'a dit de la public que c'était les cousins tout à l'heure. Genre ça. Encore. Eh oui, c'est genre ça. C'est genre ça. Oh, c'est passé, il est passé. Ah, belle défense. C'est revenu en travers, le bon est maintenu pour Julien Alain sur la ligne médiane. Ah là là. Le soutien est venu sur le côté. Le contest, de l'équipe le soutien est venu sur le côté, c'est ce que monsieur monsieur Flora ou Flores. Donc il donne une pénalité Siffle. Pour Soragout à la hauteur de la ligne médiane. Ouais, pour aller trouver une touche vraisemblablement. Et donc revenir dans la moitié de terrain des Rouges. Ah, nous assistons à un changement de crampon. Ouais. Il est au stand. Je sais pas là. Toi qui as joué longtemps, qu'est-ce que tu. Vu le terrain, tu jouerais en quoi moulé. En quoi moulé, les en lamelles. Moulé. Les lamelles à 90% du temps. Les lamelles à tout le temps. Ouais. J'aimais pas trop les faire. J'avais l'impression de pas aller vite. Moi je dirais que j'allais pas vite. Tu jouais quand même au centre, plutôt dans les lignes de trois quarts, non? À l'ouverture. À l'ouverture. Allez, donc là c'est Christol. Parce que bon, tu mets en lumière les joueurs, mais tu as été joueur toi. Hein. Allez, donc Christol, au lancé sur une 22 mètres. L'arbitre qui revient pour l'alignement. Il faut respecter l'espace. En... Allez, reste 12 minutes de jeu. 25 à 20. 25 pour les. Oh, c'est contré! À l'avant! Le Soragout. Le ballon qui est un peu cafouillé, il faut arrêter le jeu. Timothy, il reste 11 minutes de jeu au tableau, plus les arrêts de jeu. Gaëtan, tu suis? Ouais, Gaëtan. Peut-être qu'il a un chronomètre, il s'est mis le chronomètre peut-être. Que nous, on a au chronomètre du stade, 11 minutes, plus les arrêts de jeu, il doit rester 13-14 minutes. Ouais, après, il faut voir si le tableau, changement, les cartons, quand même. Parce qu'il n'y a que l'arbitre de toute façon, puisqu'il arrête son chrono à chaque arrêt de jeu, puisque c'est lui-même qui siffle les arrêts de jeu. Allez, donc nous avons une nouvelle munition pour Soragout, numéro 9, Fabien. Introduction sur une mêlée. Le demi de mêlée de cette équipe qui va introduire ce ballon. Allez, ce ballon qui est sorti à hauteur de son numéro 8. Oh, il a qui écarte sur son demi d'ouverture. Oh, le crocheté, il est passé. Oh, il rentre dans les 22 mètres, ça hurle, en face. Dans les tribunes, en face. On entend tout. Allez, numéro 7, Burdas qui est capitaine. Ça vient. Mais la défense, la ligne défensive qui est bien en place. Ça jouera au bel défense, quoi. Ah, on a bien. Ah, peut-être Chrétien qui est venu mettre les mains. Mais non, c'est bon.
le ballon toujours en possession de Fabiani pour soi. Ouais, ouais, en tout cas, ça monte très fort. Ça monte très fort du côté du Julien sur cette défense. Allez, numéro 16, Christophe. Ouh, joli. Gros bump là, gros bump. Allez, le ballon est maîtrisé. Ah non, non, le ballon est sorti. Ah, le ballon, ouais, le ballon était sorti. Il avait raison. Alors, hop, il est contré. Un drop tenté par le numéro 10, c'est ce qu'on a. Ok, contré. Et l'équipe de Sol qui est en difficulté maintenant. Ah, c'est gros, ouais, c'est, ça va être gardé, heureusement. Après cette tentative de drop. Allez, tout le monde est là. On s'organise, on s'organise. Bon, c'est un petit peu lent. On n'a pas été habitué à ça, mais bon, ils doivent être plus ou moins dans le rouge là. Vu le temps, mec. Ah, ça passe dans l'axe, ça l'axe, ça l'axe. Oh, le numéro 7, Burdalski ouais, qui vient se proposer avec de la vitesse. Ça joue dans le 16. Oh, c'est bien joué. Oh oui, le... sur l'appui qui a essayé de passer. Attention, hein, parce que ces ballons, ils sont sortis presque à l'extérieur du ruck. Donc attention, parce que la ligne défensive, si le ballon sort à l'extérieur du ruck, il devient jouable, hein, il devient disponible pour la ligne oh là défensive. Là, il est passé le numéro 5. Et il a marqué. Et voilà, c'est le 7. Ah non, l'arbitre demande à son arbitre de touche. Hein. Ouais. Il demande à l'arbitre de touche. Hein. Attention. Que va dire monsieur l'arbitre? Et c'est. Si, et c'est. Si, si, il l'accorde. Allez, 72e minute de jeu. Et c'est pour Soragout avec un blessé, j'ai l'impression un blessé. Un blessé de chaque côté. Hein. Mais un petit KOM, non, un joueur qui est vraiment par terre. Ah, et c'est attention. Pour... hein. Ah, il a l'air d'être bien blessé, ça l'appelle fort, hein, ça l'appelle fort, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Un KO peut-être, non, il bouge un petit peu. Un peu sur le côté. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, ben, Soragout qui a joué dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe, qui a avancé petit à petit, petit à petit, et qui finit par passer la ligne. Ah, ils étaient clairement sous pression, hein, les rouges là. Et du coup, le souffle coupé, hein, apparemment pour le. Ah, c'est le numéro 16 de Christo, là. J'ai l'impression. Le numéro 4, joue Soran qui refait son retour. Ah ouais, pour cette blessure justement, cette blessure. Ou les côtes, le souffle coupé, peut-être pour ce joueur. C'est le numéro 5, Antoine Dominique, qui cède sa place au numéro 4. Ouais. Joue ça. Allez. Joli, joli poulet aussi. Ouais, joli poulet. Allez, dans le numéro 15 de Gratton qui se prépare. Allez, c'est peut-être lui qui a marqué l'essai du coup. Et la tentative de transformation qui passe. 32-20. Bon, mais là, clairement, il reste 7 minutes de jeu. Je pense qu'on va avoir du ballon tenu par les rouges. Tenu par les rouges, il va pas falloir trop rendre le ballon côté Juillan. À 7 minutes, 12 points d'avance pour Soragout. Ouais, là, il va falloir. Il faut marquer de suite. Hein. Allez, il faut marquer de suite. Ah, joli renvoi. Il est bien haut. Ouh, de nouveau pareil. C'est exactement pareil. Allez, prêt le carton. Ah, là, c'est obligé. C'est obligé. Ah, l'épaule dans la tête. Mais après, il se baisse un peu. Mais bon, c'est le carton. Carton pour le numéro 7. Père. Après, ouais, je comprends, c'est compliqué, mais le joueur se baisse un petit peu, il arrive un peu haut. C'est dommage parce qu'il pouvait s'offrir 7 minutes là pour. Et ils vont terminer le match à 14 malheureusement. Ah, la touche n'est pas trouvée. La touche ne va pas être trouvée. Le numéro 8 qui récupère. Oh, il garde le ballon, oh, bien joué. Oh, bien joué, pas le numéro 6 lancé. Et ça lance. Oh, bien joué, il monte en pointe, oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh là là. Bien joué. Oh, bien joué. Belle attaque à l'autre quart. Oh, le numéro 16, belle ligne. Qui décale. Oh là là, passe à la touche. Oh là, passe à la touche. Oh là là, il oublie. Passe à la touche. Il ne passe à l'arbitre de toucher. Oh là là, c'est dommage. Ah, une très très belle lecture là du demi d'ouverture. Qui passe au-dessus. Héros Jean-Marie. Jean-Marie. Son homologue était monté en pointe. Il lui met dans le dos. Ah, bien joué. Et du coup, il a vu la montée défensive. Il monte un petit peu sa passe pour son centre, me semble-t-il. Tu me contrediras si je dis une bêtise. Ah, c'est ça, bien joué là. Joli.
C'est vrai, bah, c'est que je peux ton avis, l'autre est un peu baissé, mais après, l'épaule dans la tête, c'est les règles pour la sécurité des joueurs. Ouais, surtout c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est les règles pour la Coupe. Ça va être encore pire l'année prochaine. C'est les règles, c'est pour la sécurité des joueurs avant tout. Après, je te l'accorde, c'était là, les deux fois, c'était juste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il se baisse, soit je te l'accorde, celui de Saragout se baisse aussi. Mais bon, c'est la sécurité des joueurs avant tout aujourd'hui. Allez, pénalité pour l'équipe de Saragout suite à un ballon garde au sol. J'ai l'impression que le numéro 9 Fabiani a des crampes là. Là, c'est pas le jeu de mots. Ah ouais, là, c'est. C'est pas la crampe là. Le 13 de juillet qui s'appelait Monsieur la Crampe. Et qui est sorti prématurément. Allez, on renvoie le jeu dans la moitié de terrain, limite ligne médiane de Juillet. De Juillet. Et ouais, ça a mis un coup d'arrêt, hein, ce carton. Ah oui, on sent qu'il y a moins d'engouement de suite le public de Juillet, ouais, sans ouais, que les cartes. Même pour nous, quoi, ça nous fait dommage. Hein. Ça fait dommage, ça coupe la fin du match. Ouais, ça nous coupe un petit peu la fin du match, mais. Ce que là, c'était propre quand même le jeu. Allez, belle prise quand même, le sort à goutte. En troisième. Oh. Ah, mais c'est bien défendu, hein, c'était délié, j'ai l'impression quand même. Ouais. Le ballon est quand même maîtrisé pour faire bien écouter sur ce ballon qui est écarté, on tape au pied. Ah, dans le dos, mais elle est bien placée. Ouais, elle est bien placée, numéro 11. Mais ah, ça va mettre le toucher quoi. Toi Juillet en place hein, défensivement. Hein. Ah. Que ce soit. Là, les arbitres le touchent ont fait beaucoup de travail aujourd'hui. Ouais, beaucoup de travail, ouais. Beaucoup de travail. Ah. Il appelle le capitaine de l'équipe de Juillet. Donc moi je veux dire quand même que quelle que soit l'issue du match. Nous avons quand même deux belles équipes aujourd'hui. Ouais, deux très très belles équipes et une défense. Mais vraiment impressionnante de Juillet. Ah, carton. Ah, c'est pour l'équipe de. Ah oui, oui, on l'a vu le déblayage du numéro 20. Albert. Ça change la donne. Carton jaune pour Saragout. Ah. Eh oui, c'est vrai qu'il y a eu un déblayage à l'épaule, j'ai l'impression. Ouais. Albert. L'arbitre pris par la patrouille, l'arbitre le touche. Et Juillet qui touche la touche. Et là, la touche pas trouvée. Bah, c'est dommage. Là, l'erreur. C'est dommage. L'erreur de Juillet, là, sur cette pénale touche, l'ont trouvée. Non, ils sont levés. Allez, numéro 11, qui relève le ballon, Fourcade. Oh, il a du jeu encore, il a du jeu. Oh, mais joué. Oh, mais joué. C'est bien joué. Oh, mais joué. C'est bien joué. Le 14 qui passe. Ah, il est bien repris quand même par le numéro 14. Ah, oui, là. Ah, le soutien. Ah, non, moi, je suis pas d'accord. Là. Là, ah, là, je suis pas c'était le plaqueur, c'est l'assistant plaqueur, ouais, c'est compliqué. Peut-être l'assistant plaqueur, ouais. Mais là, je c'est sais les pas. Règles, c'est... Là, c'était limite. Là, c'était limite. C'était limite, donc ça quoi va quoi qu'il en soit, ça faut qu'il la trouve là maintenant pour donner du suspense. Ah, cette fois-ci, elle est assurée. Ouais. Et on rentre dans les 22 mètres là, 2 minutes de jeu. Hein. S'ils veulent encore espérer... 2 minutes officielles, ouais, à mon avis, il en reste tous les cartons. Je donnerai une petite dizaine. Officieusement, il reste 2 minutes. Mais pour l'instant, il n'y a que le chrono de monsieur l'arbitre qui pourra déterminer. Étant donné en plus qu'il y a eu des cartons, donc peut-être que l'arrêt les du cartons, temps. Les remplacements. Ouais, voilà, donc les arrêts du temps peut-être. Les appels arbitres de touche, ça a pris du temps. Allez, le numéro 17, un lancé par Hamelin. Hamelin, Rémi, attention parce qu'il y en a deux. Allez, malheureusement, c'était le 9, son et frère, capitaine, je pense, son cousin qui était blessé. Son frère. Qui sont blessés. Merci, ah, Joss, merci. Ah, c'est pris, c'est volé par encore. Par le numéro 4 Chrétien, encore de moi ça, mais il a laissé les pétards pas droit malheureusement, il a laissé les pas droit. Une munition de perdu encore malheureusement pour cette équipe des Juillet. Suite à cela, il s'est pas droit. Allez, donc ce qui nous laisse une mêlée introduction. Donc Fabiani pour l'équipe de Saragout. 32 pour Saragout. Et 20 pour Juillet. Attention, Juillet. Oui, deux frères, merci. Sandrine. Allez, donc mêlée, introduction Fabiani. Pour l'équipe. Ah, le ballon est récupéré. Ah oui, et oui. Introduction, pas droite. Et bras cassé. Ça n'a pas été introduit. Le ballon est récupéré par Juillet, attention. Ça n'a pas été introduit malheureusement. Allez, une munition, il faut pas la gâcher côté Juillet s'ils veulent encore respirer dans ce match, ouais, tout à dans fait. Ce match.
Qu'est-ce qu'on fait? On va la jouer à la main. Ça se structure autour de la roue. On se sent fort. De toute façon, on rappelle quand même qu'il y a un carton jaune des deux côtés. Et du coup, à 14 contre 14, on termine dans ce match. Oh, bien joué! Le numéro 8 qui donne à son capitaine, le 12 à hauteur. Mais j'ai pas ce que c'est gratté. Attention, du coup, c'est ballon ressort. Julien. Oh, bien joué, la fête de passe de l'ouvreur. Le demi d'ouverture. Qui ça? Ah, le bon est maintenu dans le sens. Tiak qui vient à hauteur de son demi de mêlée. Belle défense de Sorigout qui ne lâche rien. Allez, le ballon qui est toujours en possession de Julien. Oh, le coup d'épée par-dessus. Peut-être. Et non, il est bien couvert par l'ailier. Ouais, mais peut-être qu'il y avait un avantage. Hein, ah, oui, c'est pour ça. Non, il y avait pas d'avantage. C'est dommage. C'est dommage parce que Julien là. Peut-être il faut être un peu patient parce que bon, peut-être. Il reste du temps, j'ai l'impression. Je pense qu'il reste un peu de temps. On a joué au pied, mais. Mais il faut jouer au pied quand tu as un avantage en cours, éventuellement. Et là, malheureusement, tu perds la ouais. Tu perds la possession du ballon avec un renvoi en 22 mètres. C'est dommage. C'est dommage pour Julien là. Hein. Ah. Oh. Tu vas récupérer le ballon. Attendez, c'est arbitre, il y a des changements. Le délégué l'a dit. Il a repris trop tôt le coup d'envoi. Ouais. En plus, il y a un problème de maillot. Et oui, il leur manque un maillot, j'ai l'impression. C'est le numéro 6, Alves, qui sort et qui est remplacé par. On sait pas trop, étant donné qu'il n'avait pas de numéro, il a récupéré le maillot du remplaçant. Peut-être un maillot déchiré, peut-être, ou quelque chose du style. Il manque un maillot dans le stock. Allez, donc on revient sur le renvoi. Ah, les pompiers qui sont été appelés. Hein. J'ai l'impression j'espère que ce n'est pas trop grave. Hein. Les pompiers rentrent sur. Un renvoi très très long là. Hein. Très très long. Ah, ben la prise de l'arrière. Allez, il faut pas la gâcher cette munition. Belle défense. Ah, belle défense. Belle défense de. Eh ouais, mais il faut lâcher le ballon. Il faut lâcher. Allez, c'est le ballon et maîtriser toujours. Voilà, toujours de l'initiative de Julien. Son arrière. Allez, sur le 15. Ah, le crochet, le centre. Non, c'était le 11. C'est le numéro 11, Fourcade a du jus, ce numéro 11. Belle défense de son rugby. Allez, voilà, maîtrise de l'équipe de Julien. Oh, même main, il est venu, même main. Oh, bien joué, la passe au contact. C'était très bien joué. Et le ballon est maintenu dans le sens. Continue. Allez, Eurodis qui garde. Il garde. Allez. Il vient percuter la ligne. Le ballon, je pense que le ballon. Eh oui, si. Il avait le spontan, il devait lâcher. Eh oui. Si, il a raison. Il a raison, monsieur. Il a raison. Quand tu es plaqueur, tu dois lâcher le plaqué et revenir au contest en montrant vraiment ta volonté de lâcher le joueur. Pour revenir, tout à fait. Pour ce qui siffle, monsieur l'arbitre, très logiquement. Et Sandrine, c'est compliqué de te dire pour qui les pompiers sont l'opposé de nous, mais je sais pas pour qui viennent les pompiers. Si on en sait plus, on te le dira, mais je sais pas pour qui les pompiers. Merci. Allez. Stéphane, ça fait plaisir. Allez, le munitions. Numéro 17. Nouvelle munition pour Julien, hein, sur les 22 mètres. Ah, oh, belle prise en fond. Oh, c'est Chrétien encore. Belle prise de Chrétien en fond. Chrétien encore. Lui, il fait une moisson en touche. Allez. Si le match doit s'arrêter sur cette action, ça serait bien que Julien aille marquer. On essaye de s'organiser sur un ballon porté. Mais ça s'organise défensivement côté Sorragout. Attention, que monsieur l'arbitre ne dise pas le premier arrêt. Ouh là là, ça rentre à l'épreuve. Ah, voilà, ça va. Là, c'est compliqué. Et voilà, c'est fini. Victoire de Sorragout sur le score de Kratke 2 avec sur une très 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 beau match. Un très très beau match. Un match comme on les aime. Comme on les aime. Et ils se sont rendus coup pour coup, hein, mon cher Juju. Hein, sincèrement, très très beau match que ce soit des deux côtés. Des deux côtés, ça a envoyé du jeu. Franchement, on se croirait même franchement pas du niveau honneur. Ah, du niveau honneur, franchement, sincèrement. On peut voir de la fédérale, on peut voir de la Pro D2, du top 14. Et bien, sincèrement,
Aujourd'hui, nous avons vu un match... Un régal. En tout cas, merci pour ce qu'ils étaient sur Julien et qui était avec nous, Sandrine. Ouais. En tout cas, on s'est régalé. J'espère que ça vous a fait plaisir. Vous avez interagi aujourd'hui, hein, sincèrement. En c'est tout cas, bien. Merci. Ça nous fait plaisir. Continuez, continuez comme ça. N'hésitez pas à nous suivre à chaque fois qu'on va retransmettre un match. Et on ça va... nous fait toujours plaisir. Ne quittez pas. On va revenir avec des interviews d'après-match, on l'espère, à des joueurs qu'on va essayer d'aller récupérer. Tout à fait. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.